Voilà, la langue de Dieu est le langage spirituel pour un ministère de la parole. Acclame le Seigneur Jésus. Que la gloire soit due à Jésus-Christ. Quelqu'un pour me faire le résumé de ce qu'il a compris hier matin dans l'enseignement. Ah, l'évangéliste lui-même va intervenir. Acclame Jésus pour sa vie. Alors, hier, nous avons commencé avec le ministère de la parole. Et nous avons eu à étudier qu'il y a le ministère de la parole et il y a le ministère d'autorité. Et nous avons tirer une déduction selon laquelle ce n'est pas un ministre de la parole n'est pas automatiquement un ministre d'autorité, et un ministre d'autorité est automatiquement un ministre de la parole. Et nous avons eu aussi à voir le ministère de la loi de Moïse qui condamnait l'esprit et l'empêchait d'être sauvé, alors qu'il fallait normalement, selon la bonne marche, selon ce que le Seigneur Jésus est venu nous apprendre, le ministère de la parole a pour objectif de sauver l'esprit, donc en conséquence condamner l'âme, condamner la chair. Et il nous a été dit que lors de l'évangélisation, nous avons normalement l'objectif principal, c'est de pouvoir stimuler, exhorter l'esprit de celui qu'on évangélise et condamner les péchés que les personnes commettent au lieu de condamner la personne elle-même. Donc, c'est ce que j'ai vu. Gloire à Jésus, acclame le Seigneur pour toute sa vie. Voilà, et le frère, qu'est-ce que tu as compris hier? Qu'est-ce que vous avez compris hier? Gloire à Jésus. Donc, par rapport à hier, nous avons vu le ministère de la parole, ce que c'est exactement. Nous avons vu également que être un ministre, ou bien lorsque nous avons séparé le thème, nous avons pris les mots un à un, nous avons pris un, nous avons expliqué que voilà, c'est nous qui sommes un, c'est chacun de nous qui est un pour exercer le ministère de la parole. Et nous avons vu également que être ministre ou bien exercer un ministère, c'est au service de l'Église. Gloire à Jésus. Nous avons vu également que les femmes également ont le ministère de la parole, mais il y a des limites à cela. Elles ont le ministère de la parole qu'elles appliquent dans l'évangélisation. Elles peuvent également avoir des connaissances de la parole et éclairer quelqu'un d'autre par rapport à cela. Mais elles ne sont pas, elles n'ont pas la pleine liberté comme les ministres d'autorité ou bien les ministres de la parole hommes ou bien frères. Nous avons vu également par rapport ou bien la différence ou bien les côtés néfastes du ministère de la loi ou bien du ministère de la lettre dans l'ancienne alliance, la lettre de Moïse. Et nous avons vu que ce ministère, comme l'évangéliste l'a dit, avait tendance à condamner l'esprit, à juger l'esprit plutôt que la chair. Et en faisant cela, l'esprit s'affaiblissait ou bien l'esprit n'avait plus le pouvoir, la capacité, la force nécessaire pour continuer la marche vers le royaume des cieux. Alors que le ministère de la parole, le ministère de l'esprit qui est le ministère de la vie, de la justification, ce ministère-là, il condamne la chair, il blesse la chair, il blesse l'âme afin d'affaiblir l'âme et que l'esprit ait la force maintenant pour aller vers ou bien pour continuer la marche vers le royaume des cieux. Gloire à Jésus. Acclame Jésus pour sa vie. Vraiment, c'est très clair. Il a fait un bon résumé. Que la gloire soit due à Jésus avec l'évangéliste aussi. Quelqu'un a-t-il retenu encore quelque chose d'autre à l'apôtre aussi 21? Acclame Jésus pour la vie de l'apôtre.
Alléluia. Alors hier, vraiment, nous avons développé le caractère 1 pour exercer le ministère de la parole. Et comme le frère Luc aussi, j'ai donné dit, 1 c'est moi, 1 pour exercer, pour faire le ministère de la parole, qui est le ministère de l'esprit et de vie. Aussi le ministère de la justification, le ministère de la réconciliation, du salut. Et celui qui est ministre de la parole n'est pas automatiquement ministre d'autorité. Or, le ministre d'autorité est en même temps le ministre de la parole. Et le ministère d'autorité n'est pas donné aux femmes. Si le ministère d'autorité est donné aux femmes, alors là, ils vont prendre l'autorité sur les hommes. Mais ils peuvent être au ministère, elles peuvent être au ministère de la parole. Ils peuvent évangéliser, voilà. Donc, le ministère de la parole nourrit l'esprit et condamne la chair, condamne l'âme. Le ministère de la lettre juge et condamne l'esprit. Voilà, donc c'est pourquoi le ministère de la parole doit nourrir suffisamment l'esprit pour pouvoir condamner l'âme, pour que l'âme ne condamne pas l'esprit pour l'amener dans l'enfer. Donc voilà. Donc, et si l'esprit est suffisamment nourri, l'esprit, la nourriture que l'esprit a reçue va agir sur l'âme. Donc l'âme ne va plus avoir de pouvoir pour pécher, voilà, pour combattre l'esprit. Donc, il y a, comme on a dit, il y a guerre entre les deux, l'esprit et la chair. L'esprit va nourrir l'âme et ensuite l'âme va nourrir le corps. Et le corps sera un corps spirituel. Acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Donc voilà, vous avez tous compris. C'est ça le résumé du matin, le soir. Le soir, les trois colonnes dans le ministère de la parole. Dieu veut parler. On a vu hier la colonne qui est l'église. Après, on a vu trois colonnes. Voilà, votre résumé sur tout l'enseignement de la soirée. Alléluia. Amen. Pour ce qui concerne l'enseignement de la soirée, l'enseignement se tenait sur les trois colonnes. Les trois colonnes du ministère de la parole. Dans le ministère. Dans le ministère de la parole. Et nous avons eu à voir que la colonne est formée par l'église. La colonne l'église forme. L'église est la colonne. L'église est la colonne. Donc, dans cette colonne, il y a trois sous-colonnes. Et c'est les trois colonnes-là nourrissent la colonne qui est la grande colonne qui est l'église. Et nous avons à voir que la colonne, la grande colonne qui est l'église, est soutenue par l'origine qui est basée sur Jésus. Et le sommet aussi, c'est aussi Jésus. Et donc, tout doit se faire à l'origine dans l'amour de Jésus, dans l'amour de Dieu, pour hériter le sommet. Donc, nous avons aussi parlé, les trois sous-colonnes concernant le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons eu à voir que le chemin, au niveau du chemin, nous avons la prédication, et au niveau de la vérité, c'est l'enseignement. Et au niveau de la vie, c'est l'exhortation. Et nous avons eu à voir l'explication de la prédication. Et aussi l'exhortation et l'enseignement. D'accord. Gloire à Jésus. Acclame Jésus pour sa vie. Mais qu'est-ce qu'une prédication? La première colonne, qu'est-ce qu'une prédication? J'ai expliqué hier. Hein? Qu'est-ce qu'une prédication?
donner du lumière. Alors hier, on a vu que bon, la prédication révèle, le chemin voilà, à suivre. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une prédication? Ça, c'est une fonction. Qu'est-ce qu'une prédication? On a expliqué hier. Ou bien? Oui. Hein? Bon. Non, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas gardé, vous n'avez pas... c'est-à-dire, comment dire, méditer le coup là, donnez ça à une personne. Ah non, 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 pas le même frère, donnez ça à la poutre. Bon, je peux dire qu'une prédication, c'est une parole inspirée. Enseignée, bon, voilà, c'est une parole inspirée, enseignée. La prédication a une parole inspirée, enseignée. Voilà. Non, c'est pas ce qu'on a dit hier. Vous avez la possibilité d'ouvrir votre cahier? Oui, le bien-aimé. Oui, on a dit que c'est une inspiration, mais pas enseigné. Alléluia. La prédication, c'est l'inspiration de la parole de Dieu. Communiquer par comment? Comment elle est communiquée? Avec puissance. Et démonstration. Vous touchez le cœur. Et c'est là le cœur, les sentiments du cœur seront dévoilés. Et le cœur sera, l'esprit sera sauvé et la chair sera détruite. Vous voyez? C'est clair. Donc vous notez les choses, mais vous ne vous rappelez, vous ne l'étudiez pas. Vous devez garder ça en tête. Ça doit être gravé dans votre tête. Dans votre tête, quand vous avez ça en tête, c'est fini. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est quoi l'enseignement? Il y a, même sur le tableau là, il y a quelques mots qui sont directement la définition. On n'a pas besoin de donner trop de définitions. Hier, on a dit que prédication, c'est inspiration communiquée. Enseignement, c'est quoi? Explication. Micro, oui? Voilà, Jésus. Nous avons vu que l'enseignement, il va plus loin que la prédication. Ou bien, il explique, il va dans les détails par rapport à la prédication. L'enseignement a pour but, bien c'est, il est descriptif, il est explicatif, il va en profondeur de la prédication. Là où la prédication est le chemin, la prédication permet à l'âme de venir sur le chemin ou bien d'entamer sur le chemin. Maintenant, l'enseignement vient ajouter, vient nourrir l'âme, vient lui permettre de grandir et voilà, de grandir spirituellement. En un mot, l'enseignement, c'est l'interprétation. C'est ça, tout ce que vous avez dit, c'est l'interprétation. Pour que la personne se maintienne dans la vérité, dans la connaissance de la lumière. Maintenant, l'exhortation, c'est quoi? En un mot. Oui, oui. Hein, donnez-lui le micro. Il n'était pas ici, en présentiel. Hein. Il était en ligne, mais il a vu. Hein. L'exhortation, c'est la motivation. Voilà, la motivation. Acclame le Seigneur Jésus. Donc hier, nous avons dit, qui sont ces trois colonnes selon la révélation? Prédication, enseignement, exhortation. Chemin, vérité, vie. Qui sont ces trois colonnes selon la révélation? Oui, micro. Et tu vas me dire, chaque colonne, ce qu'il... Vous comprenez, non? Voilà, Jésus. Amen. Par rapport à la prédication, la colonne, c'est l'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre avait cette capacité de prédire ou bien de prêcher pour sauver les âmes. Il prêchait avec puissance afin de sauver les âmes. Par exemple, au jour de la Pentecôte, sa prédication avait sauvé 3000 âmes. Et au niveau de l'enseignement, nous avons l'apôtre Jacques qui, de par son épître, nous a vraiment édifié, nous a enseigné des choses, et surtout sur la langue, comment maintenir sa langue, comment vivre dans la vie chrétienne. Et au niveau de l'exhortation, c'est l'apôtre Jean qui, de par ses trois épîtres, nous a vraiment exhorté ou bien nous édifie dans la marche chrétienne. Amen. Gloire à Jésus.
Maintenant, avant de continuer, il y a encore trois et je vais aussi donner une autre interprétation, non, une autre explication ou bien par révélation ce que ça signifie encore. Voilà. Ou bien non, ça c'est pas doctrine. Voilà, plutôt pas doctrine. Pas connaissance, hein, c'est prédication. Les trois colonnes, pas connaissance, hein, c'est prédication, enseignement, exhortation. Les trois colonnes par révélation, c'est Pierre, Jacques et Jean. Les trois colonnes par doctrine maintenant, c'est quoi? Eh? Non, non, non. Oui, c'est pas de ça, c'est pas doctrine aussi. Mais c'est pas. Je veux encore donner une autre et c'est-à-dire expliquer ou bien d'autres synonymes. Alléluia. Amen. Jésus a dit qu'il est venu accomplir. Jésus est venu accomplir. Et les prophètes. Jésus est venu accomplir la loi. Jésus est venu accomplir la loi. Le troisième. Moïse. Non. Jésus est venu accomplir la loi. Et les sceaux. La loi, les prophètes et les sceaux. Ah oui, c'est grave. Les prophètes, c'est prédication. Les psaumes, c'est exhortation. La loi, c'est enseignement. Voilà les trois colonnes selon la doctrine. Acclame Jésus. C'est clair? La loi, c'est enseignement. Les prophètes, c'est prédication. Et les psaumes, c'est exhortation. Oui, les psaumes, vous voyez très bien que c'est exhortation. Plein d'exhortations, plein. Les exemples qui sont des exhortations puissantes pour nous aimer Dieu, pour adorer Dieu, pour grandir avec Dieu. Alors, c'est très fort. Et la loi, c'est des enseignements, c'est des doctrines. Et les prophètes, c'est l'inspiration. Vous comprenez, non? Oui, oui. C'est ça. Que la gloire soit due à notre Seigneur Jésus. Il y a vous-même, vous pouvez découvrir d'autres. Quand vous prenez la Bible, vous allez voir plusieurs, trois. Quand vous voyez trois quelque part là, vous savez, les trois ressemblent, c'est les trois colonnes. Donc dans la révélation, vous trouvez les trois colonnes. Identifiez vous-même les trois colonnes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Que la gloire soit due à notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, notre thème est encore un thème particulier. Ce thème va vous booster. Le Seigneur va vous donner une grande notion par ce thème. Si vous êtes attentif, le Seigneur va vous donner une puissante notion par ce thème. Le développement de cet enseignement. Et vous serez d'elle. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu va vous oindre pour exercer un ministère de la parole. Par ce thème. C'est le haut niveau. Nous sommes en train de décoller. On a posé les fondements hier. Mais aujourd'hui, là, soyez très, très concentrés. Ça, ce que je vais vous révéler, c'est la manière dont moi j'enseigne, je prêche, par l'Esprit de Dieu, que je vais vous révéler aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça va vous aider puissamment. Et quand vous allez prendre la parole, vous serez autre personne. L'Esprit va vous utiliser puissamment. Quand vous prenez la parole, vous allez parler par. C'est-à-dire, vous serez libre de parler de Dieu. Et les gens vont recevoir l'enseignement. Par plusieurs manières. Ce n'est pas les docteurs seulement. Je vous ai dit hier que ce n'est pas les docteurs seulement. Mais c'est tous les ministres de la parole. Tous ceux qui sont ministres de la parole doivent être capables de prêcher la parole, d'enseigner la parole, d'exhorter sur la parole, selon ces quatre langages que nous allons expliquer aujourd'hui. Les trois colonnes là, on peut dire que c'est la forme de l'enseignement. Mais les quatre langages, c'est aussi la forme, mais les trois colonnes, c'est la forme de ministère de la parole. Les quatre langages aussi, c'est la forme. Mais un peu, ça veut aller un peu au fond. Mais il y a aussi les dispensations. Ça, c'est le fond même du message. Les dispensations, c'est le fond du message. Alors, c'est là qu'on connaît tout ce que Dieu a fait à chaque période. Là, on explique. Mais si vous connaissez les trois colonnes et vous les maîtrisez, vous savez comment les manipuler pour prêcher la parole. Et que vous avez aussi la conscience de ces quatre langages, le reste, méditez la parole. Ayez une intimité avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il vous communique un message, si c'est prédication, vous saurez. Si c'est enseignement, vous saurez. Si c'est exhortation, vous saurez. Vous comprenez? Oui. Si ce n'est pas révélation que vous devez enseigner, vous saurez.
Si ce n'est pas doctrine, c'est à vous sourire. Ça, l'Esprit de Dieu va vous communiquer tout. Mais si vous n'avez pas de connaissance de la parole, vous ne pouvez pas. Vous pouvez avoir, vous savoir comment utiliser les trois colonnes et les quatre langages. Mais si vous n'avez pas la connaissance, vous-même là, l'Esprit de Dieu ne peut pas vous utiliser comme puissamment. Donc, il utilise une partie de connaissance que vous avez. Quand tu as un peu de connaissance, le Seigneur va t'utiliser puissamment. Pourquoi on dit comme ça? Quand on entre dans le ministère de la parole là, ce n'est plus nous qui parlons, c'est l'Esprit qui parle. Et quand tu as un peu de connaissance, pendant que tu es en train d'enseigner là, prêcher, l'Esprit de Dieu va commencer à te donner des révélations sur place, des inspirations profondes, sur place, parce qu'il prend ce qu'il a déjà mis en toi. Or, si tu n'as pas une vie de méditation, le peu de connaissance dont il te parle là, devant Dieu, c'est peu de connaissance, mais pour toi, c'est grave. Donc, quand il y a eu peu de connaissances là, c'est pas, tu vas dire que j'ai, moi, c'est un peu de connaissances, il faut chercher la connaissance. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, la langue de Dieu est le langage spirituel pour exercer le ministère de la parole. Que la gloire soit due à Jésus-Christ. Amen. Quand on dit le ministère de la parole là, c'est encore le ministère de l'évangile. Mettez en parenthèse. Le ministère de l'évangile. C'est la même chose. J'ai dit hier que l'évangile doit être prêché quand on parle et quand on s'y si. Ceux qui sont en Christ aussi ont besoin de l'évangile. Ceux qui sont païens aussi ont besoin de l'évangile. Et quand on dit ministère de la parole en réalité qui est communiquée par le ministère dont nous parlons ici est une parole de l'évangile. Cette parole est la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je prêche aux païens, c'est la bonne nouvelle. Quand je prêche aux chrétiens, c'est toujours la bonne nouvelle. C'est pourquoi il dit que bonne nouvelle doit être toujours bonne nouvelle. Si on dit bonne nouvelle, là, ce n'est pas mauvaise nouvelle. Ça ne scandalise pas l'esprit. Mais ça scandalise la chair et détruit le péché dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà. Ou, voilà, de la parole ou l'évangile. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes des ministres de l'évangile. Ou des ministres de la parole. Voilà. Alléluia. Amen. Tout ce que nous prêchons, enseignons, exhortons, est forcément communiqué par la langue de Dieu et les langages spirituels pour le ministère de la parole. Hier, moi, quand je vous enseigne, je vous dis souvent les langages que j'utilise. Hier, je suis arrivé sur connaissance, je vous ai dit ça c'est connaissance ou bien. Oui. Quand j'ai parlé pas d'autre, j'ai dit ça c'est pas d'autre. Oui. Quand je suis venu dans la révélation, j'ai dit ça c'est la révélation. Oui. Ce matin aussi on a dit ça. Oui. Que quand on parle de trois colonnes, prédication, exhortation, enseignement, exhortation, ce n'est pas connaissance. Oui. Chemin, vérité et vie, c'est doctrine. Les prophètes, la loi et les sceaux, c'est toujours doctrine. Est-ce que vous voyez? Pierre, Jacques et Jean, ça c'est révélé là. Est-ce que vous voyez? Donc, il y en a, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore parlé par prophétie. C'est ça l'enseignement de la parole et c'est ça le ministère de la parole. Quand tu prêches la parole là, même si tu ne dis pas que c'est le langage là, on n'est pas obligé de toujours dire. Parce que moi je suis enseignant, que moi je le dis. Est-ce que vous comprenez? Oui. Pour que ceux qui me suivent fassent la distinction pour avoir une vie de méditation, pour comprendre comment on médite, comment on reconnaît le langage. C'est pourquoi moi je cite ça. C'est important, c'est pédagogique. Donc quand vous prêchez là, c'est un langage que vous communiquez. Donc, hier, on a parlé du partage du pain, ou bien de la rupture du pain. Pardon? La fraction. La fraction ou la rupture du pain. Ou encore la distribution des CP. Or, le CP, c'est le ministère d'autorité dans la révélation. Et le partage de la multiplication, ou bien des pains multipliés, est l'œuvre du ministère d'autorité de la parole vis-à-vis du monde. Donc, ceux qui reçoivent la parole départagée
sont ceux qui sont appelés à être délivrés, à être sauvés. Pardon? Les CT. Les cinq pains. Cinq pains, deux poissons. Les deux poissons, le premier c'est l'ancienne alliance. Le deuxième, c'est la nouvelle alliance. L'ancienne alliance a le pouvoir d'engloutir dans le séjour des morts. La nouvelle alliance délivre du séjour des morts et sauve de la condamnation. Le ministère de la mort et le ministère de la vie. Le ministère de la lettre et le ministère de l'esprit. Le ministère de la loi et le ministère de la justice. De la justification. Ou bien le ministère de la loi et le ministère du salut. Est-ce que vous voyez? Ou bien de l'esprit de vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, quand je prêche la parole, je suis en train de distribuer le pain. Quand j'enseigne, je suis en train de distribuer le pain. Qui est la parole. Et quand j'exhorte, je distribue toujours le pain qui est la parole. Vous voyez? Alors, les quatre langages sont... On va entrer dans les explications, vous allez comprendre. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler directement de quatre langages sans comprendre ce qu'est l'évangile. Hier, nous avons parlé de l'évangile. Je vais le définir, l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. En d'autres mots, l'évangile, c'est la bonne nouvelle ou le message nouveau qui est communiqué pour le salut. Alléluia. Nous avons l'évangile de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ça, c'est pour le salut. Mais toute bonne nouvelle dans la parole n'est pas forcément l'évangile qui va sauver. Comme ça dit, toute bonne nouvelle n'est pas ce qu'on prêche à l'évangélisation. Ce qu'on prêche à l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle. L'évangélisation, c'est la prédication de la bonne nouvelle pour le salut des âmes en Jésus-Christ. Mais il y a la bonne nouvelle peut parler du Saint-Esprit sans mentionner le nom Jésus-Christ. Vous comprenez? La bonne nouvelle peut parler de l'amour du Père sans mentionner le nom Jésus-Christ. La bonne nouvelle peut interpréter quelque chose dans la Bible, mais qui ne soit pas forcément littéralement basé sur le nom Jésus-Christ. Mais en réalité, comme c'est spirituel, tout est basé sur Jésus-Christ. Tous les langages de la parole sont basés sur Christ. Tout le ministère de l'évangile est basé sur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ce qui me dit que tout ce que je prêche à l'évangélisation, là, c'est la bonne nouvelle. Mais ici, dans l'église, la bonne nouvelle n'est pas forcément ce que je prêche à l'évangélisation. Tout ce que je prêche à l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle. Dans l'église, tout ce que je communique n'est pas forcément ce que je communiquais à l'évangélisation. Mais c'est toujours la bonne nouvelle. C'est clair? Gloire à Jésus. Voilà. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà. Donc, nous allons entrer dans la définition. Nous allons comprendre. Allons-y dans 1 Corinthiens 14, verset 6. C'est là où on commence. 1 Corinthiens 14, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Commencez par le verset, retournez au verset 4, avant de venir
au verset 6. Et vous venez au verset 8. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 4 à 8. Je lis au nom de Jésus. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Ici, cette langue dont on parle ici, c'est le parler en langue, ou la diversité des langues. Continue. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Ce don d'interprétation, c'est le don d'interprétation sur les langues parlées. Dans le parler en langue dont on parle ici, c'est la diversité des langues qui est un don de l'esprit. Donc l'interprétation des langues ici, c'est l'interprétation ordinaire, naturelle des langues, ou selon lequel quelqu'un parle en langue spirituellement et le Seigneur me donne la compréhension, j'interprète la langue. Ou soit c'est une langue qu'il a connue, mais que ceux qui sont là ne connaissent pas. Et là, par l'interprétation des langues, j'interprète. Donc la langue dont on parle ici, c'est une langue, c'est-à-dire c'est un don spirituel. C'est un don spirituel. C'est un don spirituel. Donc, il faut mettre le don du parler en langue. Non, le parler en langue, dans la diversité des langues, est un don spirituel. L'interprétation de la diversité. L'interprétation dans la diversité des langues est un don spirituel. On veut faire que je voulais le comprendre. Une nuance. Le parler en langue dans la diversité des langues est un don spirituel. Un don spirituel. Voilà. L'interprétation des langues. Vous mettez verset 4, verset 4 à 8. D'abord. Le parler en langue dans la diversité des langues est un don spirituel. L'interprétation des langues. L'interprétation. Du parler en langue, c'est mieux. Là, c'est clair. L'interprétation du parler en langue est un don spirituel. Est un don spirituel. Gloire à Jésus. Alléluia. Continue. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Voilà. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, nous allons faire une nuance. Ok. Venez avec la ligne. Relisez le 4, le 6. Verset 6. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue? Ici, mettez le verset. Voilà, déjà bon. Mettez le 6 maintenant. Verset 6. 1 Corinthiens 4, 14, verset 6. Le parler en langue dont on parle ici n'est plus le don de parler en langue. Ce n'est plus le don de parler en langue, non. Relisez. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Voilà. Gloire à Jésus. Alléluia. D'abord, il a comparé
le parler en langue qui est le don spirituel. En disant que oui, c'est ça souvent, on parle la langue et ça a besoin d'interprétation. Oui. Ça, c'est pour les dons spirituels. Maintenant, tout le temps, je ne parlerai pas en langue. Ici, je ne parle plus d'eux. Cela ne veut pas dire que quand on parle en langue, normalement, il n'y a pas d'utilité. Vous ne comprenez pas. Il n'est pas en train de dire que. Il a dit que celui qui parle en langue comme un don spirituel, et avec interprétation, c'est bien. Ça édifie. Parce que la poésie, elle consorte et édifie. Oui, c'est bon. C'est très bon. Mais le parler dont il parle ici là, c'est d'autres langues qui sont différentes du parler langue qui est un don spirituel. Donc nous allons mentionner le parler en langue. Vous mettez SS. Le parler en langue ici. N'est pas question d'un don spirituel. N'est pas question d'un don spirituel. N'est pas question d'un don spirituel. Voilà. Encore. Remettez encore. L'interprétation des langues ici, ou bien, non, on met quelque chose, effacez l'interprétation d'abord. Le parler par les langues ici, est-ce que vous comprenez? Parce qu'on dit que si je ne parle pas par révélation, si je ne parle pas, voilà, le parler. Voilà, par révélation, vous faites, et voilà, révélation, vous faites un truc là. Voilà. Et parler par révélation, prophétie, connaissance, doctrine ici, n'est pas aussi un don spirituel. Ou bien, attends, non, voilà, oui, prophétie, attends, on va formuler, c'est pas ça. Ne parlez pas, voilà. La doctrine, on a effacé SSS. Vous mettez connaissance avant de mettre doctrine. Non, révélation, connaissance d'avant. Vous aussi, doctrine. Voilà. Ne parlez pas de révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Voilà. Et une interprétation. Et une interprétation. Une interprétation. Voilà. Des langages. Des langages qui ne sont pas des dons spirituels. Mais des moyens par lesquels la parole de Dieu est expliquée.
Est-ce que vous comprenez? Nous disons que au deux niveaux, pour le parler en langue qui est le don spirituel, et pour le parler en langue qui n'est pas le don spirituel, mais qui est le langage là. Au deux niveaux, l'interprétation reste toujours un don spirituel. Et tu veux ça, c'est pourquoi j'ai changé là-bas quand je disais l'interprétation. Vous n'avez pas compris. Ici, on a dit que le parler en langue dans la diversité des langues est un don spirituel. Et on a, ça, c'est lié à ce verset. On va suivre. 4 à combien? Avant le verset, c'est 4, hein? C'est 4 à 5. Voilà, 4 à 5. Voilà. Relisez. Oui, relisez. Soyez dignes. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça, c'est un don spirituel. Comme mentionné dans 1 Corinthiens 12. Donc, mets en parenthèse 1 Corinthiens 12. Vous me comprendre? On a dit de faire des nuances pour que vous puissiez comprendre le cadre dans lequel nous sommes. Nous sommes ici dans un cadre totalement doctrinal ou bien totalement lié au ministère doctoral. Mais en réalité, le but, c'est pas seulement le ministère doctrinal qui utilise ces langages, non. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas seulement les docteurs de la parole qui l'utilisent, mais tous les ministères de la parole. Tous les ministères de la parole sont appelés à parler par ces langages. Tu es évangéliste, quand tu prêches l'évangile, on doit savoir le langage que tu utilises pour prêcher. Quand tu es apôtre, on doit savoir le langage dans lequel tu es en train de prêcher. Comme tu dois savoir, tu ne peux pas prêcher tout coup. On dit oui, c'est ce que tu utilises, je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour être enseigné, je n'ai pas besoin. Là, je prêche. Non, hein. Tu prêches, oui, mais il faut avoir une connaissance. Et c'est là que l'esprit va utiliser pour enseigner, pour communiquer la parole. Est-ce que vous savez ces choses vraiment comme ça avant? Mais vous enseignez la parole? Oui. Donc l'esprit entre de vous donne une nouvelle connaissance pour rendre plus performant votre ministère de la parole. Voilà, un don futur, côté 12. Voilà. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Interprète, ça c'est pas cette interprétation. Ça c'est l'interprétation. J'ai expliqué. Ah, il finit de parler en langue. En même temps, quelqu'un dit, ainsi dit l'Éternel, et interprète. Ou bien il parle, la personne parle et une langue inconnue. Ou la personne commence à prophétiser. Ou bien parler en langue en fond. Parle en langue en fond. Vous ne comprenez pas ça d'abord. Vous ne comprenez pas. Alors Dieu suscite quelqu'un dans l'assemblée qui est élevé, qui ne maîtrise pas fond. Et commence par interpréter. En effet. Et celui qui est au Bénin, qui parle fond, quand il écoute l'interprétation de celui qui est enlevé, qui parle élevé, il dit ah, ça, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que la preuve, c'est que celui qui interprète là, il n'est pas fond. Il ne connaît même pas fond. Mais l'Esprit l'a utilisé surnaturellement à interpréter la langue qui était donnée. Ça, c'est les dons spirituels. L'interprétation ici, c'est un don spirituel. Pour les deux cas, pour les langages de la parole. Et aussi pour le don spirituel qui est le parler en langue. Mais il y a différence entre le parler en langue qui est don spirituel et le parler en langue qui est l'interprétation. Acclame Jésus. Non. Le parler en langue qui est le langage qui doit être interprété. Voilà. Parce que le parler en langue là, c'est aussi un mystère. Tout parler en langue ici, mettez mystère. En parenthèse mystère. Parler en langue est mystère. Vous mettez ça ici. Parler en langue, c'est un mystère. Donc, ce n'est pas le parler en langue qui est l'interprétation. Le parler en langue est donné. Mais il faut l'interprétation.
Dans le don spirituel, je vais vous expliquer maintenant son interprétation, comment ça se passe. Mais en tant que langage de la parole, ou bien en tant que langue, son interprétation aussi est importante. Mais quand ce parler-là devient un langage de la parole, c'est aussi un mystère. Donc en tout et partout, le parler-là est toujours un mystère. Quel que soit, qu'il soit un don spirituel ou une langue de la parole. C'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi si moi je viens à vous maintenant, voici ce que l'apôtre Paul dit. Si je viens à vous, je commence par vous lire un verset. Je commence par vous donner une prédication. Si je n'interprète pas, de quelle est mon utilité? Si je viens vers vous, je prends un verset de Jésus de la Bible. Je lui dis, voilà, voici ce verset. Je lui dis le roi d'esprit. Je lui dis que, non, c'est pas ça. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le roi des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en va. Quand on dit ça là, ça c'est un mystère. Ça c'est un parler à langue. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand vous vous disiez là, ne faites pas l'erreur de commerce de dire en même temps que c'est ce que le Seigneur te dit. Vous devez comprendre pourquoi le roi est forcé. Est-ce que le roi est encore forcé maintenant? Mais quand vous lisez là, vous dites non, vous mettez ça partout. Dans plusieurs langages, dans d'autres langages, le roi est forcé. Dans d'autres langages, le roi n'est pas forcé. Jésus ne lui parlait pas qu'on ait sens. En ce temps, l'esprit de Dieu n'a pas encore été donné pour expliquer ce parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu, depuis la loi, depuis Jean-Baptiste jusqu'à Jésus là, le royaume est toujours forcé. C'est les violents qui s'en parlent. Parce qu'on ne peut pas lier dans la doctrine et la révélation. Nous ne pouvons pas lier d'abord l'accession au royaume des cieux par la violence. On sait que la violence est un péché qui a été condamné par la parole. Quand on parle de violence, on parle de zèle à mer. Mais comment Jésus va nous dire que le royaume des cieux est forcé? C'est les violents qui s'en parlent. Ce n'est pas les violents sur la chair d'abord. Non, c'est nous-mêmes qui disons ça. D'abord, c'est la loi. Parce que dans la loi, il y a la colère. Or, là où il y a la colère, c'est la loi. Et là où il y a la colère, c'est la violence. Ça veut dire que la loi dominait sur eux. Ce n'est pas un ministère de salut, de libération, un ministère de condamnation. Alors, voilà, je vous montre cet exemple. Ouvrez-moi le verset. Matthieu 11, combien? Le roi des cieux est forcé. La cherchez le verset. Voilà, on fait une démonstration. Oui, qui est qui? Non, c'est bon. Le vénéré. Voilà. Venez. Ah, non. Tu fuis, viens. Aujourd'hui, tu vas faire une démonstration. Lisez-moi le verset, cherchez-moi le verset. Jean 11, c'est 36, non, quoi? Jean 11, 12. Ah, Jean 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Jusqu'à présent. Le royaume des cieux est forcé. On a dit jusqu'à présent. Ce présent n'est pas le présent d'aujourd'hui. Oui. Le temps de Jean-Baptiste. Par connaissance, ce présent-là, ce n'est pas aujourd'hui. Ce présent, c'est quand Jésus parlait. Le présent est passé. C'est pas, on ne peut pas dire que c'est passé. Mais c'est le présent du moment où Jésus parlait. Dans le langage de la connaissance. C'est comme ça qu'on interprète la Bible. C'est comme ça qu'on enseigne la parole. Tout le monde peut venir prendre ce verset et prêcher. Oui, c'est bien, on prêche. Mais ceux qui connaissent savent que on tolère, on dit gloire à Jésus, et alléluia. Pas humilité. On dit oui, il a prêché. Très bien. Mais quand on entre dans l'interprétation des Écritures, là, dans la doctrine, dans la révélation de la parole, c'est pas ça. C'est pas ça. Dans un autre langage, le royaume est forcé. Encore aujourd'hui, on va dire que c'est encore forcé. Dans un autre langage, ce n'est plus forcé. Vous voyez les choses? Relisez. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Donc Jésus parlait d'un présent à son temps, à son époque. Le royaume des cieux est forcé. Comment le royaume des cieux où on ira dans la vie va être forcé? Quand on y est forcé là, c'est comment? C'est que c'est pas accessible. Il faut forcer pour entrer. Est-ce que vous voyez?
Or Jésus là, il est venu pour que le roi ne soit plus faussé. Il est venu nous donner la grâce pour qu'en croyant en lui, nous soyons sauvés, pour que les ceux nous qui sont sur le chemin de la mort soyons sauvés. Ça, c'est pas connaissance. Pas connaissance, le royaume n'est pas forcé. Pourquoi? Parce que le roi m'était forcé. Lorsque la loi existait, et même parmi tous ceux qui étaient appelés de Dieu, tout le monde était, la Bible dit quoi? Personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Or, si tu n'es pas justifié, tu peux aller au roi des cieux. Donc, tu peux pratiquer toute la loi, mais quand tu pèches contre un seul commandement, tu es coupable de tous. Donc, comment le roi peut être ouvert ainsi? Quand Adam et Ève ont péché, on va mettre l'arbre de vie, c'est ça le symbolisme même de la vie dans le royaume. On va fermer le portail de l'arbre de vie et mettre deux chérubins protecteurs avec des épées flamboyantes, des épées aiguisées. Au portail, nous allons faire ça maintenant. Vous allez voir ce que je dis. Vous allez comprendre la parole de Dieu. Pas de démonstration. Acclame Jésus. Pas de démonstration. Que le royaume est foncé. Donc, tout ce que tu feras pour entrer dans ce royaume-là, c'est pas possible. Et Dieu, parmi le peuple, va choisir des personnes pour les faire entrer dans ce royaume. C'est pour dire que peu s'y trouvent. Alors, ces peu-là ne sont pas encore entrés. Ils ont vu, la Bible dit même dans l'époque, que les pères, tous les prophètes ont vu le ciel de loin, mais ils ne sont pas entrés. Ils sont allés dans le lieu de. Non. Sont allés d'abord au séjour des morts dans la loi. Parce que la loi avait du pouvoir sur eux. Avant que Jésus ne les retire de la prison pour les envoyer dans le lieu de repos en attendant l'enlèvement de l'église pour aller au troisième ciel. Est-ce que vous me comprenez? Donc, personne n'était juste sur la loi. Donc, quand Adam et Ève ont péché, on va prendre deux chérubins pour qu'ils vont se mettre au portail. Avec des épées flamboyantes aiguisées pour les empêcher d'entrer dans la vie éternelle. Par exemple, c'est dans le jardin qu'on peut entrer dans la vie éternelle. Or, le jardin, c'est l'église. Adam, c'est le ministre d'autorité et de la parole. Elle, c'est les dons spirituels. Alors, Adam, dans notre explication, en tant que ministre de la parole, c'est lui qui utilise les quatre langages pour enseigner. Pas autorité. Sachant que tout ministre n'a pas pour avoir les quatre langages. Mais Adam était ministre d'autorité. Et il utilise les quatre langages. Ève, c'est le don spirituel. Donc Ève, dans les révélations, Ève parle en langue. Et son parler en langue doit être interprété. Alors Ève représente le don spirituel. Adam représente le ministère d'autorité. Or, le ministère d'autorité est d'office ministère de la parole. Ça, c'est autre. Je suis entré dans une autre dimension. Je reviens là où on était. Depuis la loi, tous ceux qui veulent accéder au roi des cieux sont bloqués par deux chérubins. Ne peut pas. Et ceux que Dieu a choisi, c'est les sacrificateurs, les prophètes, les rois. Mais tout cela n'accédait pas. Ils n'avaient pas au sanctuaire terrestre et non céleste. Tous ceux qui feront pour hériter le roi des cieux là seront arrêtés. Parce que Dieu a fermé le portail du ciel à cause du péché. Or, la Bible dit, par le péché, la mort. Pas un seul homme, la mort est entrée dans le monde. Tous ceux qui sont péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? L'arbre de vie, qui est la vie éternelle, qui a été cachée par les deux chérubins. Donc, dirons-nous que le royaume, en ce temps, était ouvert, libre, était donné par grâce. On peut dire ça? Non. Parce que le royaume était fort. C'est pourquoi Jésus va répéter, vous là, vous pharisiens, vous israélites, depuis le temps de Jean-Baptiste, d'abord qu'il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, cela veut dire que même avant Jean-Baptiste là, le royaume est foncé. Jean-Baptiste aussi est venu, n'a pas réglé le problème pour que le royaume soit ouvert. Non. Donc il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, parce que c'est Jean-Baptiste qui est le prophète vivant avant lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, dans son temps, le royaume est toujours forcé. Et ce sont les violents. Comment on peut hériter le ciel avec la violence? Non, ce n'est pas la violence. Non, non. C'est la grâce de Dieu. C'est la foi. Et c'est l'esprit qui va nous donner la force
en obéissant aux yeux de la foi. Il y a une manière aussi, dans un autre langage, je viendrai là. La violence, d'abord, cherchez la définition de la violence. Vous saurez de quoi il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Littéralement, par connaissance, la violence, là, c'est pas, c'est comme un péché. Et c'est, là, c'est le ciel à mer. Voilà. Donc, on ne peut pas entrer dans le roi, monsieur. Mais, qu'est-ce que Jésus lui va dire dans Jean 1,51? Quand il est venu, lui va dire, oh, c'est là la parole. Ça, c'est Dieu parle toujours par connaissance. Non, non, gardez la question. Oh, lui, nous, on a tout fait comme ça, comme il est. On évolue, on enseigne, on finit et on répond aux questions. C'est bon? Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Hein? Jean 1,51. Jean chapitre 1, le verset 51. Je lis au nom de Jésus. Et il nous dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ah, vous verrez désormais le ciel ouvert. Alors, Jésus lui dit désormais. Pourquoi il dit désormais? Parce que le temps où il était venu, c'était le temps où l'ancienne alliance régnait encore. Alors, il n'a pas dit, vous voyez déjà le ciel ouvert. Quoi qu'il soit venu là, vous allez voir. Quand Jésus était dans l'eau du Jourdain pour le baptême, pendant ce temps-là, le ciel était ouvert sur lui. Et la parole de Dieu dit, voici mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, écoutez-le. Mais le ciel n'était pas ouvert pour tout le monde. Jean-Baptiste était parmi les peu qui a cédé, parce que Jean-Baptiste aussi a vu, entendu la voix. Il a dit, c'est en lui l'Esprit de Dieu, c'est lui le Fils de Dieu. Mais est-ce que vous comprenez? Donc, le ciel sera ouvert après l'œuvre de Jésus sur la terre. C'est à, lorsqu'il sera sur la croix, il dira tout est accompli, que le ciel sera ouvert et les hommes, nous marcherons, nous monterons, descendons sur le chef de Jacob, sur le fils de l'homme. En réalité, les anges, ici, dont on parle ici, par la révélation, ces anges, nous disons que c'est nous. C'est nous ces anges qui monteront et qui descendront. Or, par connaissance, c'est les anges réels. Lorsque le ciel sera ouvert là, nous, on va commencer par monter, descendre. Il n'y aura plus bousculade. Or, quand c'était forcé là, il y avait bousculade, c'était la violence. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et on casse tout le monde, détruit tout le monde, on renverse tout le monde par le ministère de la mort et de la lettre, de la loi. Mais depuis que Jésus a dit que désormais, le ciel sera ouvert, quand c'était, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. C'est pourquoi il n'est pas venu abolir la loi pendant ce temps. Pendant qu'il parlait, la loi était toujours d'actualité. Il est né sous la loi. L'ancienne alliance régnait encore. Tant que le ciel et la terre ne passeront, aucune iota de la loi ne sera retranchée. On ne parle pas aujourd'hui, du temps d'aujourd'hui. Dans le temps où Jésus parlait, la loi était encore d'actualité. La loi de Moïse était encore d'actualité. Or, la Bible dit la loi était donnée par Moïse, la grâce est venue par Jésus. Ce n'est pas quand Jésus était sur terre que la grâce était là. Non. Ça, c'était la bonne nouvelle de l'évangile qui préparait le terrain pour la grâce. La loi était toujours d'actualité. C'est pourquoi Jésus va confirmer les paroles de la loi pour les dire que c'est pour les violents. C'est les violents qui peuvent hériter le ciel. Parce que Moïse les a dit qu'il est difficile d'entrer dans la vie éternelle à cause des lois. Les lois. C'est pourquoi Moïse, voyant que lui là, c'est difficile pour lui, Moïse annonçait qu'un autre prophète viendra. Le Dieu de mes pères suscitera un autre prophète comme moi et vous l'écouterez. Parce que c'est Jésus qui vient à régler le problème de la loi de Moïse. Mais quand Jésus était sur terre là, la loi de Moïse était toujours d'actualité. Le roseau cassé n'avait pas été relevé, redressé. Ça c'est le roseau, la loi c'est le roseau. C'est la gerbe. Vous voyez la gerbe. La Bible parle de la gerbe. La Bible parle aussi du roseau. Ça c'est la loi. L'interprétation de la loi existait encore. Et la loi gouvernait jusqu'à la croix. Donc, comme le désormais n'est pas encore venu, pour que le ciel soit ouvert, Jésus confirmait tout ce qui est de la loi parce qu'il n'est pas venu à ôter un iota de la loi. Il n'est pas venu ôter un seul iota de la loi. Il n'est pas venu à enlever une lettre de la loi en ce temps. Parce que ce n'était pas encore le temps pour ouvrir le ministère de l'Esprit.
Le temps n'était pas encore là pour inaugurer le ministère de l'Esprit. C'est pourquoi parfois Jésus confirmait quelques propos de la loi. Donc quand Jésus dit que les violents aux hommes, c'est la loi qui dit ça. C'est ce que Moïse avait dit, qu'il répète. Pourquoi? Pour qu'on dise que c'est lui le prophète que Moïse a annoncé. Parce qu'il doit confirmer d'abord les paroles de Moïse. Ah, comment on peut dire? Pour fasciner un peu le peuple, jusqu'au temps où il va ouvrir les cieux, afin que ses propres paroles vont commencer par être révélées. C'est pourquoi il dit que l'Esprit viendra vous révéler toute la vérité. Si Jésus dit ça, donc, ça montre que Jésus ne disait pas toute la vérité sur la terre. Parce que Jésus dit que l'Esprit viendra vous révéler toute la vérité. Donc ça montre que quand Jésus était cité là, il disait la vérité, mais il confinait aussi la loi. Il y avait mélange entre vérité et loi pendant qu'il était sur terre. C'est ça le blé de l'ivraie. Le blé c'est la foi, l'ivraie c'est la loi. Les deux doivent croître ensemble dans le même pays jusqu'à la croix. Le blé, l'ivraie soit détruit dans le corps de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus a condamné la loi de sa chair afin que l'esprit, le blé, puisse se lever et être moissonné par nous. Gloire à Jésus. Donc désormais, le ciel est ouvert et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça, c'est le temps où le ciel est ouvert. Si on dit ciel est ouvert là, eux, c'est encore forcé. On ne va plus utiliser la violence, détruit le monde, détruit, trahit les gens, se manifester la colère. On ne peut plus utiliser ce moyen pour aller au ciel. Parce que c'était, ça avait un délai fou. Voilà l'interprétation par connaissance du verset et par révélation. Ça, c'est aussi une révélation, mais c'est connaissance quand même. Du verset de Jean, Matthieu 11, verset 12. Aujourd'hui, peu ne s'y trouvent plus sur ce chemin. Des millions et milliards sont sur le chemin de la vie éternelle. Parce que Jésus est allé à la croix. C'est pourquoi? C'est parce que nous évangélisons mal que nous pensons que c'est peu qui iront au ciel. C'est pas notre manière d'évangéliser là que nous pensons que c'est peu qui iront au ciel. Si notre Dieu là, lui là, fait tout hein, à la croix, Jésus a tout accompli pour que des milliards qui aillent au ciel. Et au ciel, il rit, il ne pleure pas. Parfois, on dit que non, il pleure. Non, non, non. Il est joyeux. Nous allons vous montrer le verset d'Esaïe. Il est joyeux, il se rassasie des bons jours. Et dit, j'ai fait des grandes choses, j'ai fait des merveilles. Et il sait que des âmes seront sauvées. Mais voilà, nous maintenant, par notre mauvaise évangélisation, qui n'est pas conforme à la sainte doctrine, nous faisons quoi? Nous renvoyons les âmes que Jésus a préparées vers l'enfer, au lieu de les amener au ciel. Par un message mal communiqué. Nous avons la vérité, mais nous communiquons pas la vérité. Sinon, lui là, il a ouvert les cieux. Il dit, les cieux sont ouverts. Si on dit les cieux sont ouverts là, ce n'est pour violence, ce n'est plus violence. Voilà. Démonstration. Acclame d'abord Jésus. Vous avez compris? Après la démonstration, je vais vous expliquer par le langage. Pourquoi dit-on que le royaume est encore forcé aujourd'hui? Malgré que ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé pour les païens qui viennent à Jésus. Eux là, ce n'est pas forcé. Pour nous qui sommes en Christ aussi, qui sommes venus du monde là, ce n'est pas forcé parce que c'est la grâce qui nous a sauvés. Mais dans le monde, ça c'est pas connaissance. Mais quand on entre dans la révélation, dans le monde spirituel, c'est forcé. Jésus a payé le prix, non? Lorsque Jésus a payé le prix là, par connaissance, ce n'est pas forcé. Parce que le prix a été payé par Jésus. Mais quand on entre dans la révélation, dans le jeu de langage, il faut payer un prix dans le monde spirituel. C'est là que tout devient violence. Cette violence, pas une autre interprétation, cette violence n'est plus le péché, n'est plus le ciel, la mer. Non. Cette violence-là, c'est quoi? C'est une violence où, je dois connaître les lois spirituelles et les mettre en pratique. Ah, dans le monde spirituel, quand tu fais un, Satan a du pouvoir sur toi. Cette violence maintenant, c'est à exercer avec le roi, contre le roi de Satan, dans le monde spirituel. Contre l'armée de l'air, dans le monde spirituel. Or, avant, c'est une violence entre l'homme. Parce que vous, chacun de vous est sauvé l'homme. Donc l'autre a besoin de toi. Toi, juger l'autre, le condamner, faire violence sur lui pour avoir une place. C'est pas vrai. On dit que le chemin est forcé. La vie éternelle était forcée, le roi était forcé. Donc, on dit souvent à fond, éblément court. Donc, c'est ça. Donc, c'était chacun pour soi, avant.
Mais ce n'est pas comme ça aujourd'hui pour ceux à qui nous prêchons l'évangile. Pour nous qui sommes en Christ, nous n'avons pas connaissance. Mais dans la révélation, c'est forcé. Parce que Jésus a payé le prix, par connaissance, nous sommes sauvés. Mais dans la révélation, nous devons payer le prix. Ce prix-là, ça ne veut pas, ça ne peut pas nous sauver. Mais ce prix va être le prix par lequel nous allons ouvrir les portes spirituelles. Or, le premier prix que Jésus a payé, c'est pour ouvrir les portes éternelles pour nous, pour le salut. Donc, en Jésus, là, nous sommes déjà sauvés pour la vie éternelle. Nos noms sont déjà écrits dans les cieux. Nous n'avons pas à avoir peur. Quand nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés. Nous avons l'assurance du salut. Maintenant, dans le règne spirituel, dans le combat spirituel, pour maintenir notre salut sur terre, nous devons faire quoi? Nous devons connaître les lois spirituelles. Et pour connaître les lois spirituelles, il faut payer un prix. Ce prix, c'est l'humilité. Ce prix, c'est quoi? Ce prix, c'est l'amour. Oui, l'amour, le fruit de l'esprit, tout ça. Ce prix, c'est aller dans la consécration, aller aux eaux profondes. Le prisme. Ce prix, c'est aussi s'humilier vers les hommes de Dieu pour recevoir. Ce prix, c'est fouiller la Bible. Jésus a tout fait, non? Et par connaissance, le royaume n'est plus forcé. Par révélation, le royaume est forcé. C'est spirituel. Si tu fais moins un, si tu fais erreur, le diable aura le pouvoir sur toi. Jésus a tout accompli, a détruit le diable à quoi? Bat ton ignorance dans le spirituel, le diable aura le pouvoir sur toi. Donc dans le spirituel, dans les réalités invisibles et spirituelles, pour aller, aujourd'hui tu es physiquement sur terre, pour atteindre les sphères spirituelles, tu dois faire quoi? Tu dois avoir payé un prix. Ce prix n'est pas argent or d'abord, mais ce prix c'est la consécration, la sainteté. C'est compris? Oui. Voilà le langage de la connaissance et révélation. C'est deux choses différentes. Oui. Totalement différentes. L'autre là, c'est pour ouvrir la porte éternelle. Donc quand la porte éternelle devait être ouverte, il n'y a pas de... Ça c'est la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par Jésus. Mais pour être sur terre, pour que les portes spirituelles s'ouvrent, malgré que Jésus a déjà ouvert spirituellement, toi même tu dois avoir les clés pour les ouvrir. Et ce n'est pas violence que tu as écrit. Pourquoi? Cette violence n'est plus le péché. Parce que le péché a été englouti. Mais nous reparlons cette violence par un prix à payer, par la consécration, par le travail. Acclame Jésus. C'est clair? Vous avez compris maintenant? Voilà. Voilà. On va faire. Qui sont les deux chérubins? C'est le Jacques. Ah, les gens veulent être chérubins. Ah, venez, venez. Je veux deux géants. Voilà, tu es Jésus. Voilà. Fais le tableau comme ça. Comme ça, en face là. Carrément, soit dynamique et on va faire des démonstrations. Ça, c'est d'abord la démonstration pour la loi de Moïse. Pas. C'est l'interprétation de la parole qui commence comme ça. Pas des exemples concrets. Ça, c'est l'arbre de la vie. Voici l'arbre de la vie. Le premier chérubin. Tu gardes ton épée. Voilà. Le deuxième chérubin. Tu gardes ton... Vous protégez l'arbre de vie. Parce que depuis, Adam et Ève ont péché. Et vous avez caché le chemin pour l'arbre de vie. Donc le royaume est foncé. Si quelqu'un vient là, vous mettez la violence. Oh, c'est les violents, non? Oh, la violence ne peut pas permettre d'aller au ciel. Donc lui veut pratiquer, veut aller au ciel par violence. Eux veulent aller au ciel par violence. Donc si quelqu'un vient ici là, vous le frappez et il retourne encore. C'est ça le jugement contre l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, vous venez. Je vais vous montrer comment ça se passe d'abord. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ça, c'est le peuple d'Israël. Ça, c'est les âmes perdues. Ou bien non, les âmes, pas les âmes perdues. Ça, c'est tout n'importe qui veut aller au ciel selon la violence de la loi de Moïse. Vous voyez comment nous sommes? Donc, on va faire comme ça. On avance, on se casse. Vous comprenez? Voilà. Donc, on dit que vous lisez le verset. Quelqu'un pour lire le verset. Pendant qu'on soit en train de faire ça, là, lisez le verset. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois, vous lisez le verset. Là, on va comprendre le jeu de la chair. Comment l'on pense, on comprend pas les écritures. Ce n'est pas comme ça. C'est pas cette mauvaise interprétation qui nous pousse à avoir la reste. Et on détruit tout le monde. On combat tout le monde. On détruit tout le monde par le zèle amer. Or, notre épée n'est pas d'abord détruire l'esprit des hommes, mais condamner la chair
pour sauver l'Est. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Jean, Matthieu 11, verset 20. Et vous, vous êtes là, vous, faites comme des soldats. Tu me montres comme un film, vous montez, vous faites comme ça. Vous, il y a des soldats, des violents. Les soldats. Donc, vous êtes là, vous, quand quelqu'un vient à vous, vous frappez, vous criez en même temps. Voilà. Vous allez comprendre que ça, c'est pas ça que Dieu nous a appelé. Dieu nous a appelé à manifester l'amour selon la scène en temps. Matthieu, oh, Jésus. Voilà. Je vais au ciel. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est passé. Acclamez Jésus pour votre vie. Voilà. Maintenant, voici la nouvelle alliance. Voici la part. On va montrer comment Jésus est venu enlever les chérubins. Jean 1, 51. Vous êtes dans la violence. Mais quand vous allez entendre, je vais vous donner le top. Là, quand il lit le verset, vous donnez le top. Vous faites comme ça. Ah, et vous commencez par aller en paix. En paix. En paix, et eux vont vous accueillir et vous amener vers l'arbre de vie. Et désormais, Jean 1, 51. Et il lui dit, en vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre. Allez en paix au ciel. Parce que je suis un Seigneur. Amen. À l'époque de Jésus, voilà. Et dans la grâce. Maintenant, aujourd'hui, il y a aussi une autre violence qui s'opère. Ça, c'est pas la violence du péché. C'est pas un péché. Par exemple, l'autre, là, c'est un péché qui conduisait à perdition. Mais ceci, la violence d'aujourd'hui n'est plus. C'est-à-dire, c'est l'aptitude à avoir les clés. On va faire encore un exemple. Excusez-moi, pas les mêmes personnes. Oui, bien, venez. Aujourd'hui. Non, c'est pas la même personne. À vous le faire. Ok, venez. Je vais vous montrer ce qui se passe dans la grâce. La violence de la grâce. Ça, c'est plus qu'on va parler. Ça, c'est autre chose. Non, je vais vous expliquer. Et mettez encore, ça, c'est le ciel. Ici, c'est l'éternité. La perfection est visible. Voilà, le chiffre 7, le 7 de perfection invisible. Voilà, c'est la gloire, le trône de la grâce. Ici, montrez ça, c'est le trône de la grâce. Lui, il représente le Père. Vous savez que vous êtes le Père, faites comme ça, comme le Père. Le Père créateur, le Père, le trône, sur le trône de la grâce. Donnez-lui une chaise même. Le Fils, c'est pas trois personnes, hein. C'est juste une représentation. On est en train d'expliquer. Oui, c'est pour ça, non, responsable, souvent. Voilà. Non, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Ça, c'est le troisième ciel, le Fils de Dieu. Il est, c'est le même Dieu qui est ici, qui est ici. C'est juste un exemple. Voilà, le Fils de Dieu. Le médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce que vous voyez? Fait comme ça, comme un médiateur. Ça, c'est la croix. Donc, il est la médiation. Il accueille tout le monde. Vous voyez? Maintenant, ici, attends. Ça, c'est le bras. Ce bras-là, c'est l'avocat. Ce bras, c'est l'avocat. C'est le sauveur. Le bras qui sauve du péché. Qui, quand on prie, c'est ce bras qui prend les prières et dirige vers le Père. C'est ça, la droite de Dieu. Ça, c'est Dieu dans son éternité sur ce trône.
Mais Jésus nous défend à la gloire de Dieu. Voilà. Ici, c'est l'éternité. Mais ici, c'est la puissance de Dieu dans le temps. C'est ça le Fils de l'homme. Ce bras gauche, c'est un bras qui va nous mettre à l'épreuve, au combat spirituel. Quand tu pries et tes prières montent là, oui. Mais pour descendre, ce bras gauche là, c'est Jésus. Hein? Mais il va te soumettre à l'épreuve d'abord, avant que ta bénédiction de descendre. Mais ici, quand tu pries et tu es dans la scène d'entrée, il t'aime, il prend ta prière et va là-bas. Mais avant de te donner la bénédiction là, il te t'épreuve d'abord. Voilà. Lui, c'est un chrétien. Il aime Dieu. Il aime Dieu. Il prie beaucoup. Il ne connaît pas les lois spirituelles. Il ne connaît pas les clés du royaume des cieux. Il n'est pas un chrétien violent. Quand on dit violent, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas quand l'autre est. Oh là, ce n'est pas le zèle à la mer. Il n'est pas. Comment dire? Il n'est pas rigoureux sur sa propre vie spirituelle. Il est négligent dans la chair. Mais il connaît Jésus. Il aime Dieu. Et dit, Seigneur, je vais aller au ciel. Le ciel dont on parle, ce n'est pas toujours encore la vie éternelle. C'est quand nous sommes sur terre. Vous savez que sur terre, on doit avoir une vie de sainteté pour aller au ciel. Oui. C'est pas la vie éternelle d'abord. Pour avoir une communication avec le Père. Donc par la nouvelle naissance, là, Dieu mène nos esprits dans les lieux élevés au ciel. Mais il sur terre, il est né de nouveau une fois. Mais il ne connaît pas les lois spirituelles. Il ne connaît pas les lois spirituelles. Il est dans les lois charnelles qu'on a dit hier, superficielles. Il ne regarde pas l'apparence et non l'esprit. Là, et non le cœur. Et faites, juge les gens, soit en train de juger, soit en train de goûter comme les gens. Insultez, voilà, reste comme ça, soit en train de faire comme ça. Ne prie pas, hein. C'est pas une vie de prière. Au lieu de parfois, tu fais comme ça, parfois tu pries. Tu pries un peu, tu pries un peu. Parfois tu te distrais, tu t'amuses, et tu joues ballon. Elles ont plaisir, les examens donnent pour expliquer l'enseignement. Tu es distrait, tu es négligent. Parfois tu lis la Bible, tu fais comme ça. Parfois tu vois, tu comptes, tu fais tout, tu mélanges tout. Ça, les lois spirituelles. Et tu fais parfois, tu mets sur ça pour en allant vers le ciel. Et toi, tu fais comme ça. Attends. Parce qu'il ne pratique pas les lois spirituelles. Il n'a pas les clés du royaume des cieux. Lui, non, ce n'est pas vous. Oui, oui. C'est une démonstration. Lui, c'est juste des exemples. Lui, il maîtrise les lois spirituelles. Il est pratique. Ce n'est pas les lois charnelles, hein. Les lois spirituelles. Il a une bonne intimité avec le Saint-Esprit. Il pratique les jours. Et après, même ça, il fait des offrandes. Parce que ça fait aussi partie des prix à payer. Voilà. Jésus a payé le prix comme offrande pour nous. Ça, c'est pour l'autre exemple. Pour que nous soyons sauvés une fois pour toutes. Pour la vie éternelle. Mais lui, sur terre là, pour adorer Dieu là, on ne doit pas adorer Dieu sans offrande. Il adore Dieu comme toutes les lois spirituelles. Il sait qu'on sait pour moissonner. Il sait qu'on doit mener vie de prière. Il sait que la parole est une semence. Il sait que la prière est une semence. Il connaît la dîme, les enfants. Il connaît tout ce qui concerne la vie chrétienne dans la scène. Donc, c'est ça qu'on appelle les lois spirituelles. Il connaît tout. Et tu pries que tu regardes vers le Père. Toi, tu ne regardes vers pas là-bas. Tu vois, tu regardes ici. Ou mais tu regardes en l'air. Parfois, tu regardes et tu tournes le visage. Tu comprends déjà. Toi, tu pries, tu es sérieux. Et tu as l'intimité avec Dieu. Et parfois tu te mets à genoux, tu te lèves, tu évangélises, tu fais comme ça. Voilà. Gloire à Jésus. Un troisième, excuse. C'est pour montrer que ça, c'est un païen qui lui ne s'occupe pas de l'évangile. Il est distrait totalement. Oui, simultané, on montre les images. Excusez, c'est juste une image. Nous sanctifions dans le sang de Jésus. Amen. Voilà, commençons. 1, 2, 3, montez tous les images. Carrément, soyez dynamiques. Donc, lui, toi, tu tournes, toi, tu marches. Quand tu finis, tu marches et tu viens ici. Et tu l'accueilles comme ça. Et tu le diriges vers ici. Et il reçoit. Il vient ici. Tu l'arrêtes d'abord ici. Tu l'arrêtes un peu. Et tu lui parles. Tu le secoues. Tu dis est-ce que tu peux supporter? Et après, tu l'amènes comme ça. Et tu le déposes. Lui, il vient peu, tu dis arrête-toi, repars. Est-ce que tu vois? Mais lui, tu l'amèneras ici. Lui là, lui ne peut même pas franchir. Il reste là, tu le renvoies, tu dis vas-y. Est-ce que tu commences à être drogue? Qui fait la chose? 1, 2, 3. Fais la main, soit, ou bien tu te remplaces. Ah, voilà. Tu ne peux pas, non, toi, tu ne peux pas venir, tu n'as pas. Et tu restes là. Reste, sois en train de faire ça sur place. Toi, tu ne bouges pas.
Voilà. Vous comprenez? Allez doucement quand même. Quand lui vient là, il vient là, tu le chasses. Il vient ici là, tu le renvoies. Il n'a pas le droit de vivre aussi dans sa vie avec Jésus. Parce qu'il est désordonné. Lui, il ne peut pas bouger. Il reste là. Il tourne, il fait les choses. C'est la mondialité. Il est comme un païen. Mais lui, il est en Christ. Il pratique les lois spirituelles. Il maîtrise comment tout se passe. Il prie. Il a une vie de prière. Quand il vient ici, tu l'accueilles, tu fais comme ça. L'autre, tu dis de retourner, de reprendre encore. Quand il sera parfait là, il viendra. C'est toi le Fils. C'est ce que le Fils fait à la croix de Dieu. Quand il finira, il viendra ici là. Tu l'amèneras ici. Et le Père va. Tu vas lui poser les mains, lui donner tes bénédictions. Et il retourne, il vient ici, tu l'arrêtes, tu lui dis comme ça, est-ce qu'il peut supporter? Et tu l'amènes, tu invites quelqu'un pour le mettre à l'épreuve. Tu dis viens, et la personne le tient un peu pour voir s'il peut, il peut persévérer. Et tu vas persévérer ici. S'il finit, tu le ramènes encore. Et il repart. C'est un exemple, vous allez voir comment se passe la vie chrétienne dans la scène tentée. Acclame Jésus! Et là, caméraman, vous montrez bien les images. Oui. Montrez toutes les trois images. Lui, je commence. Lui, c'est. Oui, continue. Lui, c'est un chrétien, mais dans la chair encore. Mélange, il est discerné. Il n'a pas une vie de prière. Lui, il a une vie de prière, il est évangéliste, il est dans la sainte doctrine. Retour. Tu es dans la chair. Toi, tu ne peux même pas bouger parce que tu n'as pas compris Jésus. Le royaume est forcé pour toi. Toi, le royaume est ouvert pour toi parce que tu reconnais Jésus, tu as aimé Jésus, tu adores, tu as une vie de prière. Le Fils t'amène vers le Père parce que le Fils est le médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà. Et le Fils s'arrête quand le Père finit. Le Père bénit le Fils. Le Père plutôt bénit le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit qui pratique la sainte doctrine. Quand il finit, on l'amène. Voilà, c'est les anges aimés, on tue les anges. Le Fils l'amène. Quand il est tout doux, tu fais les choses. Tu pries un peu, tu fais lâcher un peu. Il le met à l'épreuve. Ça, c'est Satan. Il résiste encore. Il fait la tige, il fait tout de suite. Il évangélise. Il pratique la sainte doctrine. Il donne les enfants. Il ne voit pas le diable spirituel. Il ne voit pas les attaques. Lorsque les gens l'attaquent, il est tout dans la prière. Jusqu'à les gens sont découragés. Tu donnes encore, tu donnes parce que tu es frère. Voilà, il reprend comme sa chose. Il retourne. Et il a la victoire sur le péché. Acclame Jésus. Lui ne bouge même pas. Maintenant, lui ira vers l'autre. Montre à ton image. Tu restes comme ça. Ah, va vers lui. Et tu prêches l'évangile. Tu as dit, c'est vas-y. Montre l'image. Montre aussi ça. Et montre là-bas. Voilà. Montre aussi celui-là. Viens rester ici, montre. Tu vois. Et ah, va vers lui. Il va te renvoyer là. Tu te retournes encore. Non, c'est pas pour ça. Assez. Dis maintenant, c'est bon. Et t'en place. Et t'amène encore à sa place, là où il était. Là, reviens ici encore. Voilà, reviens. Là, commence à prier. Commence à pratiquer les lois spirituelles. Évangéliste. Commence à adorer Dieu. Réfléchis, je veux un peu. Voilà. Tu te lèves. Et tu sautes de joie un peu. Jésus est dans ton cœur. Et là, allez. C'est comme ça qu'on gagne les âmes. Allez. Tu es content maintenant, il t'amène dans le Père. Le Père te bénit par la bénédiction céleste. Vous voyez? Maintenant, il reçoit la bénédiction. Il vient, Satan va se lever. Et on va voir s'il pratique la parole. Et il va être éprouvé. Éprouve-le. Vois, livre-le à l'épreuve. Le Père le livre, livre-lui à l'épreuve. Livre-le, laisse-le. Dis-lui, dis là. Fais comme ça. Pour voir s'il est prêt à rester la foi. C'est comme ça que Jésus nous sauve. Et toi, tu étais courageux. Fais comme ça. Alors, c'est comme Jacob et la loupe. Tu es fatigué. Maintenant, tu iras vers lui maintenant. Lui n'a pas conscience. Il va refuser pour moi. Tu refuses d'abord. Dis donc. Tu es parce que tu es dans la chair. C'est ça les chrétiens Chanel. Et commence à le détruire. Parce que tu es dans la chair. Le ciel amène. Et la colère, la rébellion, comment l'orgueil. Toi, tu ne te décourages pas. C'est ça le côté spirituel, l'homme spirituel. Tu ne vois pas les agissements. Tu vois. Maintenant, commence par se dire, fais comme ça. Fais si je pleure un peu. Tu dis, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Tu vois. Seigneur, j'étais dans la chair. J'étais dans la chair. Je comprends maintenant les lois spirituelles. Fais comme ça.
Lève-toi maintenant. Les anges de Dieu viennent. Un nom de Dieu. Viens le porter effectivement de gloire. Un nom de Dieu, un nom de Dieu. Viens, passe là-bas d'abord. Quitte là-bas, quitte là-bas. Et dis-lui d'aller. Caméraman. Oui, oui. Dis-lui d'aller. Et prends le fils. Les anges envoient. Habille-le des vêtements de gloire. Et dans lui, mets la parole dans sa bouche. La parole, reçois la parole. Mets la sainteté en lui. Sur la pièce. La sainteté sur ta pièce. Vas-y, maintenant, accompagne-le. Le chrétien et l'ange l'accompagnent vers le fils. Le fils accompagne les anges dans ce ciel. Nous sommes les anges, nous dansons. On amène. C'est quand le fils prodige, le père le bénit, il reçoit les dons spirituels, il reçoit le feu du Saint-Esprit, il reçoit le ciel. C'est ça, il a de voler au ciel. C'est pourquoi quand je suis venu, j'ai dit on va voler. On va décoller. Maintenant, il le prend maintenant. Il le retourne. Il le retourne. Il le retourne. Et maintenant, vous les trois maintenant, vous êtes comme ça. Vous êtes l'église. Le pasteur maintenant avec les brebis. Et il y a l'amour, il y a la joie. Jésus, tu es peut-être content là-bas. Sois joyeux. Saute, saute. Et le père dit, voilà. Le père dit comme ça. Voilà. J'aime les fils du royaume. Bon, ils sont en joie. Satan, quelqu'un pour le planter, c'est quelqu'un pour le dire. Viens, viens. Viens, viens. Oh, tu es méchant, tu n'es pas content. Ça te fait mal. Pendant qu'ils sont en joie. Ils sont en joie, ça te fait mal. Tu dis, oh, c'est quoi ça? Oh, c'est pas ça. Oh. Et tu es vaincu maintenant, tu tombes maintenant. Et à monter, 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 allez au ciel. Allez au ciel. Il vous accueille dans les 7 ans de l'autre de l'aïeau. Vous êtes en joie. Maintenant, dans l'éternité, vous êtes tous dans l'éternité. Y compris le fils, y compris le chrétien. La nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. C'est bien. C'est ça le roi de Dieu, enfoncé dans la révélation. Vous comprenez maintenant? Voilà. On a tout dit. Oui. Là, on continue notre conseil. Acclame encore Jésus. Ok. Merci. Que la gloire soit due à Jésus. Donc, nous avons expliqué la différence entre le parler en langue ordinaire, qui est spirituel, et le parler en langue qui est un langage, qui est une langue de la parole. Et nous avons parlé maintenant, nous avons dit que autant que le parler en langue qui est un don spirituel doit être interprété ordinairement sur la terre par le Saint-Esprit, c'est comme ça le parler en langue, la langue qui est la parole de Dieu, doit être aussi interprété. Et son interprétation est aussi un don. Mais le parler en langue qui ne doit pas. Le parler en langue dont parle le verset 6 de 1 Corinthiens 14 n'est pas un don spirituel, mais c'est des langages qui doivent être interprétés par l'interprétation des langues. Donc, le don d'interprétation des langues, c'est un don à double tranchant. Le premier, c'est d'interpréter les langues spirituelles qui sont de parler en langue. Mais le deuxième, c'est d'interpréter aussi les langues spirituelles, mais qui sont les langages de la parole de Dieu, qui n'étaient pas des dons, mais qui sont des langages, qui sont des canaux de transmission de la parole. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. La langue, c'est la parole de Dieu. La langue, c'est la parole de Dieu. Ici, la langue, c'est la parole de Dieu. Quand toutefois vous voyez quelque part dans la Bible, mais langue, sachez que c'est la parole. Soit la parole de Dieu, ou la parole de Satan, ou les paroles de la chair. Mais ici, dans notre contexte, la langue qui doit être interprétée, c'est la parole de Dieu. En tout cas, le soir, on va faire la suite de l'enseignement sur les langages. Parce que c'est un enseignement très profond. Très profond. Vous allez voir. Vous savez comment prêcher maintenant. Donc, vous savez ça avant. Hein. Mais l'Esprit vous donne encore une éclairage sur les langages. Et maintenant, vous savez, vous grandissez maintenant en maturité. Ou bien? Voilà. Gloire à Jésus. Alléluia. Mm-hmm. La parole de Dieu, c'est bon? Voilà. Vous savez que dans une langue, il y a des langages. Mettez la langue
La langue est égale parole de Dieu. La langue est la parole de Dieu. Ici, dans ce contexte. Alléluia. Amen. Nous allons expliquer la langue et donner et parler par révélation. Qui est prêt pour qu'on aille dans la révélation? Pour la langue. On va d'abord expliquer la langue par connaissance. Quand on finit d'expliquer la langue par connaissance, on va expliquer la langue par révélation. Acclame Jésus. Voilà, définition notée. J'ai dit que la langue, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu est une langue divine. La parole de Dieu est une, ou bien je peux même dire la langue divine. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu est la langue divine. La parole de Dieu est la langue divine. C'est bon? Qui véhicule la pensée? La parole de Dieu est la langue divine. Qui véhicule la pensée et la volonté de Dieu? La parole de Dieu est la langue divine qui véhicule la pensée et la volonté de Dieu. Elle révèle l'évangile éternel. L'évangile éternel était un mystère caché. Or, la parole était cachée dans l'âge de l'alliance. J'ai dit hier que dans le tabernacle, il y a deux compartiments. Le lieu saint et le lieu très saint. Avant le lieu saint, il y a le parvis, la cuve des reins, l'autel des sacrifices ou des holocaustes. Dans le lieu saint, il y a la table des propositions. Il y a les sept lumières de chandeliers. Est-ce que vous comprenez? Nous disons que le lieu saint, c'est la médiation entre le parvis et le lieu très saint. Et Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu, entre les hommes et Dieu, ou entre Dieu et les hommes. Dans l'âge, c'est comme un coffre, l'âge de l'alliance, c'est-à-dire le propitiatoire. Il y a deux chérubins. De la même manière qu'ici, il y a deux chérubins qu'on avait expliqué. Deux chérubins ont attaqué. Depuis que le ciel est ouvert, deux chérubins sont repositionnés. Pour ne pas attaquer, détruire, mais pour sauver. Ça, c'est une autre révélation. Je reviendrai sur ça. Rappelle-moi, le mystère des deux chérubins. Mais d'abord, dans le propitiatoire, dans l'âge de l'alliance, il y a la manne cachée. Hier, on a expliqué. La manne cachée qui était dedans. Et cette manne, nous disons que c'est aussi le pain. Et le pain, c'est la parole. N'est-ce pas? Oui. Donc, nous disons ici que la parole de Dieu est cachée, a été cachée dans le lieu de l'éternité depuis les temps anciens. Or, cette parole de Dieu cachée dans l'éternité depuis les temps anciens, c'est le mystère de l'évangile éternel que Dieu avait caché depuis les siècles avant la création. Et Dieu, dans sa prescience, a manifesté sa pensée de le mettre en exécution dans les temps définis. Et ce mystère de l'évangile était en réalité manifesté par la sagesse aussi qui sort de l'éternité, mais pour créer toutes choses comme le premier-né de toute la création avant que toutes choses soient créées. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons la pensée et la parole. La parole est d'abord une pensée. Toute pensée n'est pas une parole. Elle n'est pas la parole de Dieu plutôt. Toute pensée n'est pas la parole de Dieu. Alors, on peut avoir des mauvaises pensées. Et ce n'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous trompons pas et ne mettons pas nos pensées dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nous inonde pour que nos pensées n'agissent pas dans notre enseignement, prédication ou exhortation. Alors, la parole de Dieu qui était un mystère caché depuis l'éternité
en réalité est le plan éternel que Dieu a tracé depuis les âges, et le résolvant de l'accomplir, de le résoudre et de le manifester dans le temps, quand le temps sera accompli. Éphésiens 1. La parole de Dieu est le mystère. L'évangile est un mystère. L'évangile éternel est un mystère caché. Oui. Donc, les ministres de la parole sont les ministres qui révèlent l'évangile éternel. Les ministres de la parole, c'est les ministres qui révèlent la pensée cachée de Dieu depuis les siècles avant la création et qui ont été manifestés lorsque le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu. Oh, le Fils est la parole. Et Dieu n'a rien fait sans la parole. La parole est Dieu. Et la parole était en Dieu. La parole était la lumière des hommes. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous sommes en train, depuis hier, nous voyageons dans les Écritures. Nous étions en train de voyager dans la parole. Et aujourd'hui, là, nous avons commencé par voler. Alléluia. Comme des avions, comme des oiseaux, comme des aigles. Acclame Jésus. Philippiens. Éphésiens 1. Voilà, commencez par le verset 7. Éphésiens 1, partie du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Ça, c'est la parole, l'évangile. J'ai dit que tout évangile est la parole de Dieu. Dans l'église. Pour les païens, c'est une prédication qu'on fait. Pour leur salut. Parce que nous n'étions pas sauvés. Mais pour nous, ce n'est pas pour que nous soyons encore sauvés. Qu'on prêche ici. Nous, on est déjà sauvés. Mais on nous prêche pour que nous puissions garder la parole et maintenir notre salut et ne pas le perdre. Voilà. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution. L'évangile est le dessein formé en lui-même depuis les temps anciens, depuis l'éternité. C'est ça la parole de Dieu cachée. Hein? De le mettre en exécution. Hein? Lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ. Le but du mystère, le but de l'évangile qui avait été caché comme un mystère, lorsqu'elle a été révélée, est que toute chose soit en Christ et que toute chose s'accomplisse pour révéler Christ. C'est la parole de Dieu. C'est ça la langue qui est la pensée invisible de Dieu qui était dans l'éternité comme la manne dans l'arche de l'alliance, dans le trône de Dieu éternel avant de se manifester dans le temps. Continue. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Voilà, l'évangile, c'est la parole de la vérité. Donc nous sommes ministres de la parole de la vérité. Donc on nous dit, vous ne notez pas. On a dit la langue est la parole de Dieu. On a dit que la parole de Dieu est l'évangile éternel qui était caché. La parole de Dieu est l'évangile éternel qui était caché depuis l'éternel. L'évangile éternel caché avant la création. C'est pourquoi on dit la bonne nouvelle de la création. La bonne nouvelle était répandue à toute la création. Parce que la création attendait. Avec un ardent désir, la révélation de la parole de Dieu. Et qui a révélé la parole de Dieu? C'est le premier fils de Dieu. On dit dans Romains 8, 9 que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, la révélation du fils de Dieu était déjà donnée par l'évangile. Car la Bible dit que l'évangile est la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Maintenant, nous recevons la bonne nouvelle du royaume qui fait de nous des fils de l'évangile, des fils de Dieu, des fils de lumière, des ministres de la parole. Et nous sommes chargés
d'aller annoncer cette bonne nouvelle au monde. C'est ça le ministère de la réconciliation, le ministère de la justification et le ministère du salut aux nations qui n'ont pas encore reçu la grâce d'avoir la révélation du mystère de l'évangile que nous avions reçu et qui a fait de nous fils. C'est là la révélation des fils de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. La parole de Dieu est l'évangile éternel, caché avant la création, mais révélé dans le temps. L'évangile éternel avant la création mais révélé dans le temps. Et vous mettez point. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu annoncé à toute la création. Nous sommes en train de définir la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est toujours la parole de Dieu que nous sommes en train de définir comme ça. Oui. Vous devez connaître ça. Maintenant, vous êtes en train de savoir qu'est-ce que nous prêchons. Nous prêchons la parole de Dieu, l'évangile éternel. Donc, c'est l'évangile éternel qui, en réalité, nous décortiquons par les quatre langages. C'est pourquoi je dis que nous sommes des ministres de la parole, des ministres de l'évangile, des ministres de la réconciliation, les ministres de la justification, des ministres du salut, des ministres de l'esprit et non de la lettre, et non de la mort, des ministres de la vie éternelle. Quand tu es ministre de ça, c'est un double. Acclame Jésus parce que tu es ministre de la parole. Acclame Jésus parce que tu es à la fois ministre de la parole, ministre de l'évangile éternel, ministre, tu es fils de Dieu, tu es ministre de la justification, ministre de la réconciliation et quoi encore? Ministre de l'esprit, ministre de la vie, ministre de la lumière, ministre du feu, ministre de l'eau, ministre de paix, ministre du lait. Oh, vraiment, nous sommes heureux. Acclame Jésus. Nous sommes très heureux d'être appelés par le Seigneur pour exercer un ministère de la parole. Donc, la bonne nouvelle du salut annoncée, la bonne nouvelle du royaume de Dieu annoncée à toute la création. C'est bon? Donc, cet évangile, c'est le ministère, la volonté de Dieu qu'il a mis dans sa présence pour le manifester lorsque les temps seront accomplis. Apocalypse 14, verset 6. Donc, quand nous ne parlons pas des langages, nous sommes dans l'évangile éternel. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, c'est dans l'évangile éternel que nous sommes. C'est pourquoi je parle de dispensation. C'est, l'évangile éternel, c'est très large. Mais nous allons expliquer les dispensations aujourd'hui. Pas forcément aujourd'hui, et dans ce séminaire. Parce que je vous ai dit que vous-même, vous devez avoir une vie de méditation pour connaître le temps, chaque saison, au cours duquel Dieu opère une œuvre. Parce que si on va commencer par celle là, on peut faire des mois sur des mois. N'est-ce pas, frère Jacques? Oui. Ou bien? Oui. Voilà. Gloire à Jésus. La bonne nouvelle du royaume des cieux annoncée à toute la création. Voilà. Mettez, c'est ça la révélation de la parole de Dieu. Cette révélation n'est pas encore l'un des langages. Il y a une différence entre la révélation de la parole de Dieu. Tu mets interprétation. Parce que celui qui prêche l'évangile est en train d'utiliser un langage et pour prêcher. C'est ça l'interprétation. Celui qui enseigne, interprète. Celui qui exhorte aussi. Seulement que l'interprétation, c'est le domaine de l'enseignement. Cela ne veut pas dire que quand je prêche, je ne révèle pas. Je révèle, mais le domaine de révélation est limité. Parce que quand j'enseigne, ça c'est le domaine de l'interprétation d'une manière particulière. Voilà, tu mets la parenthèse. Dévoilement du mystère. Ou interprétation. Alors nous allons expliquer le bégaiement de Moïse ici. Par révélation. Acclame Jésus. Alléluia. Voilà. Et tirer l'interprétation de la parole.
Seigneur. Acclame encore Jésus. Montrez le tableau. Tous les bien avec nous suivent puissent vraiment noter et garder aussi Jésus. Voilà. Allez, Apocalypse. Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Un ange qui volait par le milieu du ciel. Voler, vous voyez. Voler. On a parlé de voler ici. Voler, voler, voler. Voler par le milieu du ciel. Il avait quoi? Ayant un évangile éternel. En réalité, par connaissance, cet ange est un ange céleste que Dieu a envoyé pour donner l'évangile éternel. Par doctrine, nous disons que cet ange, c'est Jésus. Vous comprenez? Qui est venu sur la terre depuis le ciel. Il a été envoyé du ciel. On dit que le pain de vie descendu du ciel. Or, par connaissance, le ciel, c'est dans les hauteurs. Or, quand on dit un ange volant de, par le ciel, cet ange est en train de descendre du ciel pour amener le rouleau, l'évangile scellé, pour dévoiler. Alors, nous ne disons pas, doctrine, que Jésus, c'est lui qui a fait quoi? Qui est venu nous donner le pain de vie descendu du ciel. Parce que le pain de vie, c'est pour le salut. Ça, c'est la doctrine. Le pain de vie est de nous donner, la vie éternelle. Ça, c'est la doctrine. Mais dans la révélation, c'est nous ces anges. C'est nous cet ange qui sommes appelés à faire quoi? À annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Et nous avons la révélation de ce mystère caché depuis des siècles aux hommes. Et cette révélation est appelée la sagesse mystérieuse et caché de Dieu, révélé à nous les fils de Dieu. Jésus dit, Père, je te loue, car tu as caché ces choses aux gens de ce monde et tu les as révélées à tes enfants. C'est nous les enfants qui avons reçu la révélation. Car le pain a été, ça dit, Dieu a privé les nations du pain. Et nous a donné le pain, nous qui formons la nation sainte qui est l'Église. Alors, nous on garde le pain. Et nous allons vers eux pour les donner du pain et de l'eau. Alors sachons comment les donner. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Et nous ne sommes pas fils de Dieu. Nous sommes des fils de lumière. Ils ne sont pas fils de lumière. C'est pourquoi c'est nous qui avons la révélation des mystères du royaume. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Nous sommes les ministres de l'évangile éternel. Des ministres de la parole. Donc la parole est quoi? La parole est la langue de Dieu par laquelle Dieu parle aux hommes. Comme nous sommes aussi des fils de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu. Ainsi, nous pouvons aussi faire quoi? Nous pouvons aussi parler de la part de Dieu en donnant la parole comme Dieu lui-même le donne. Et comme Jésus est le fils de Dieu, nous aussi nous sommes des fils de Dieu. Qui avons la révélation des mystères du royaume qui donneront à toute la création. C'est pourquoi la création entière attend la révélation. Avec un attend ici, la révélation des fils de Dieu. Quelle est la révélation des fils de Dieu? L'évangile éternel qui a été caché depuis le ciel. C'est pourquoi quand nous allons à l'évangélisation de la soirée, n'ayons pas une idée, soyons en joie. Saluons-les comme des gens qui attendent. Quand c'est parce que vous les voyez comme des gens qui n'attendent pas avec un attend ici l'évangile. Eux attendaient. Dieu a prédestiné l'esprit de tout homme au salut. Et comme il a prédestiné l'esprit de tout homme au salut, il a déjà préparé une fois à écouter l'appel du salut. Donc,
en tant que serviteur de Dieu, quand nous allons prêcher aux enfants de Dieu à l'église ou au païen là, selon la joie, sachant que la bonne nouvelle que nous voulons les prêcher là, Dieu a déjà mis ça dans leur cœur. Ils ont ça déjà en eux. Nous allons pour arroser. Jésus a semé, non, Dieu a semé en eux dans leur cœur. Il a envoyé d'autres hommes déjà qui ont semé en eux. Nous on va arroser. Alors nous, ceux qui vont arroser là, comment vont-ils se comporter? De la joie. Ils ne sont pas nos ennemis. C'est des hommes perdus. Nous avons la révélation, eux n'ont pas. Alors donnez-les la révélation que nous sommes sauvés par la bonne nouvelle, sauvés par la grâce. Et ils seront aussi sauvés, tout en croyant à l'évangile. Quiconque confesse que Jésus-Christ est Seigneur est sauvé. Quiconque déclare que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et qui croit dans sa bouche, dans son cœur, est sauvé. Donc la complétude, c'est très simple. Très simple, la condition pour être sauvé est très simple. Crois en Jésus de ton cœur et c'est fini. Tu es sauvé. Et tu viens à l'église, on te donne des enseignements sur la sainte doctrine. Donc nous-mêmes là, nous sommes des ministres de la parole, mais nous divulguons mal la parole. Nous bégayons encore. Malgré que le Saint-Esprit a été donné pour que nous ne bégayons plus. Nous bégayons. Ça, c'est un langage codé. Je vais expliquer ça dans l'enseignement. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame encore Jésus. Vous qui sont en train d'envoyer des paroles vraiment de séduction pour distraire le direct. Non, nous allons supprimer ça d'abord. Vous comprenez? Oui. Comment ça se passe? Ah bon? Je vais supprimer vite et nous continuons. Le fil, l'esprit qui enseigne est toujours là. Voilà. Voilà, montrez le tableau là. Les bien-aimés sont en train de noter, de voir. Donc nous étions à quel niveau? Je vis un autre ange. Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 6. Relisez, soyez en train de relire. Apocalypse 14, verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Voilà l'évangélisation. Ouais. C'est simple. Relisez comment l'ange a évangélisé ici. Il disait d'une voix forte. Soyons dans la sainte doctrine n'est pas compliquée. C'est nous les humains qui compliquons la parole de Dieu. Nous, Dieu a dévoilé le rouleau du livre. Jésus est venu avec le rouleau du livre. Il a dévoilé le rouleau. Il dit, voici je viens, oh Dieu, fais ta volonté. Nous qui sommes appelés à faire la volonté de Dieu là, nous on cache encore le rouleau du livre et nous allons compliquer la tâche aux autres qui doivent être sauvés. En bégayant encore. En bégayant, oui, parce que nous ne dévoilons pas bien le mystère. Nous bégayons. Nous nous comportons comme Moïse qui bégayait au départ. Et Dieu était obligé de lui mettre Aaron à côté. Mais nous avons déjà Aaron en nous. L'Aaron, c'est le Saint-Esprit. Nous, on a l'Esprit qui va nous ôter de nous le bégaiement et mettre en nous le dévoilement. La langue facile. C'est l'Esprit qui donne la langue facile. Tu peux avoir la parole de Dieu, mais ne pas avoir la langue facile. Donc tu mets ça. L'esprit donne la langue facile. Donc l'esprit est l'interprétation du bégayeux. Donc le parler en langue, du langage, de la langue de Dieu, est comme un bégaiement. Parce que quand Dieu donne la parole, on entend, mais on ne comprend pas. Alors, l'interprétation viendra faire quoi? Le Saint-Esprit nous donne la capacité d'interpréter ce que Dieu avait dit, qui était codé à notre Dieu. Si je prêche quelque chose aujourd'hui, je dis que le Christ, c'est lui le rocher. Le Christ est le rocher. Est-ce que tu peux comprendre par la chair? On dit Christ est le rocher. On compare le Christ aux créations, au rocher. Ça, c'est le bégaiement.
Alors je dois faire quoi pour l'expliquer? Je dois utiliser l'esprit. Je dois plutôt parler par un langage de la parole. Le Saint-Esprit doit me conduire à interpréter ce qui est caché. C'est quoi le rocher? Dans la révélation, dans la connaissance, dans la prophétie, dans la doctrine. Ce qui est le Christ dans la prophétie, la doctrine, la connaissance, la révélation. C'est comme ça. Pourquoi on doit comparer le rocher au Christ? En quel temps le rocher, en quelle saison l'Écriture parle du rocher? Le rocher symbolisait quoi en ce temps? Aujourd'hui, en autre temps, que symbolise le rocher? Quelle est la représentation spirituelle et prophétique du rocher? Dans la doctrine, le rocher veut dire quoi? Dans la révélation, le rocher veut dire quoi? Pourquoi dit-on que Christ est le rocher? Dans quel langage, comment Christ est le rocher? C'est ça l'évangile expliqué. Vers les païens, tu les donnes seulement un langage. Tu ne peux pas leur dire que Jésus est le rocher en même temps. Ils ne vont pas d'abord comprendre. Tu lui dis d'abord que Jésus, c'est lui. Tu ne commences pas à parler terre à terre. Et après maintenant, tu entres dans la révélation et il comprendra. Acclame Jésus. Acclame, acclame, acclame Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit donne la langue facile. L'esprit favorise l'interprétation. Or, la langue est la parole. Si la langue est la parole, l'esprit est l'interprétation. La langue, c'est la parole de Dieu. L'esprit est l'interprétation de la langue. As-tu le Saint-Esprit? Oui. Papa, cela dit. Papa, l'assurant de salut. Toi qui es jeune, tu as honte de dire que tu as l'esprit. Parce que tu t'es condamné toi-même à cause de la mauvaise compréhension de la sainte doctrine. À cause du zèle amer. As-tu le Saint-Esprit? Oui. Lève-toi, lève-toi et dis, j'ai le Saint-Esprit. As-tu le Saint-Esprit? Oui. As-tu le Saint-Esprit? Oui. Alors, tu enseigneras la parole par le Saint-Esprit. Amen. Tu interpréteras la parole par le Saint-Esprit. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Voilà comment le Saint-Esprit lui interprète. Oui, tu es appelé à Dieu. Tu dis non, je n'irai pas à la théologie. Oui, nous n'irons pas là-bas. Parce que c'est les ils ont beaucoup d'enseignements erronés. Donc nous préférons être ici et écouter les enseignements de la Sainte Doctrine. Donc nous sommes en train de faire la formation des disciples. Selon Marc 16. Non, Matthieu 19. Faites des enseignements des disciples. En les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça que nous sommes en train de faire comme ça. C'est une formation que nous sommes en train de faire. C'est l'esprit qui forme. Il t'appelle, mais tu dois être formé avant d'exercer. Il ne viendra pas lui-même descendra. Si tu penses que non, tu seras formé autrement. Non, l'esprit, oui, il va m'enseigner seulement. Oui, il va t'enseigner seulement. Mais tu n'auras pas de connaissances pour être adéquat. C'est pourquoi Dieu, quand il nous appelle là, c'est quelqu'un d'autre, il l'utilise. Nous avons l'esprit, il nous parle, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Il envoie quelqu'un, dit voilà, c'est ça il faut faire, c'est ça il faut faire. Et quand tu commences à le faire, toi aussi demain tu auras la même capacité de faire d'autres disciples. Voilà comment le Seigneur opère. Gloire à Jésus. Amen. Que la gloire, l'honneur soit rendu à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on a dit, nous venons dire quoi? L'esprit donne l'interprétation. Alors. Voilà. La Bible dit, la lecture, vous savez, bien que la parole soit la langue de Dieu, écrivez, bien que la parole soit la langue de Dieu, bien que la parole soit la langue de Dieu, si elle n'est pas interprétée, elle demeure la lettre. Elle est appelée ou bien elle est vue comme la lettre qui tue. C'est Dieu qui donne la parole. Mais vous ne l'interprétez pas. La parole est codée. Comment les gens seront sauvés s'il n'y a pas de révélation? S'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frère. Un peuple sans révélation, un peuple sans frère. Bon.
La révélation, c'est la lumière. C'est ça l'interprétation. Sans l'esprit. Par les quatre langages. Bien que la parole soit la langue de Dieu, si elle n'est pas interprétée, expliquée, dévoilée, elle sera toujours un mystère, un bégaiement, une lettre qui tue. Un bégaiement, un mystère, une lettre qui tue. Une lettre qui tue. Un mystère, un bégaiement. Une lettre qui tue. Un mystère. Un parler en langue aussi. Mais toi aussi, un parler en langue. Parce qu'il vient, il parle seulement. On ne comprend pas ce qu'il dit. On entend, mais Dieu veut que nous, à l'aide de cet esprit-là, rien ne plus en parabole. Jésus ne lui parlait pas en parabole. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler par parabole. Nous n'enseignons pas révélation. Nous n'enseignons pas interprétation. Nous expliquons ce qui a été caché. Il utilisait les figures de style. Nous, on voit les révélations cachées en tant que figures de style. Mais on les dévoile pour donner le sens concret. Le sens de la parole qui est la langue est d'abord cachée dans la Bible, littéralement. On ne comprend pas. C'est vrai, tu fous la bouche, tu ne comprends pas. Tu demandes l'esprit de compréhension. Et il te donne la capacité de comprendre. Alors, quand tu révèles cela, là, les gens auront la parole de Dieu. Tu l'expliques, les gens verront la parole de Dieu. C'est là où on parle de l'interprétation des langues. Le don spirituel d'interprétation des langues en deux parties. Pour des langues, la diversité des langues qui est dans 1 Corinthiens 12 comme don spirituel. L'interprétation des langues de la parole de Dieu. Alors, nous disons par là que... Ou bien laissez alors, mettez... Nous disons par là que la parole sans révélation sans compréhension, la parole sans révélation, sans interprétation, et comment dire, quel je viens de dire, compréhension, voilà, est comme la lettre, est comme la lettre. Comme la lettre qu'on ne peut comprendre que par l'esprit de vie. Et nous allons mettre le verset, la lettre, tu mets l'esprit de vie. Qu'on ne peut comprendre que l'esprit de vie. Voilà, le verset. La lettre, tu mets l'esprit de vie. Mettez le verset. Ça doit être dans 2 Corinthiens 3. Le Seigneur, c'est l'esprit. Là où l'esprit du Seigneur, c'est là la liberté. Ça, c'est le dernier verset. Vous voyez ça? La Bible dit que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Oui. Pas trouvé 2 Corinthiens 3 17 et 18 Or le Seigneur c'est l'esprit. Non, on continue. Je vois. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Non, c'est le verset 6. Tu es allé en bas. Le verset 6. 2 Corinthiens 3 6
Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand même que la parole aussi, la parole de Dieu est donnée là, et que vous ne comprenez, c'est-à-dire cette parole n'est pas expliquée, enseignée, prêchée, enseignée. Quand vous voyez la Bible là, vous allez voir que c'est la parole de Dieu qui est dedans. Mais ça ne vous désédifie pas. Parce que vous n'avez pas la compréhension. Moi, un jour, le Seigneur m'a dit, je ne comprenais pas certaines choses dans la parole. Et je me posais beaucoup de questions. Pourquoi je n'arrive pas à comprendre la parole? Et le Seigneur m'a dit, demande l'esprit de compréhension de la parole. Il y a un esprit de compréhension de la parole qu'on appelle l'intelligence. C'est ça l'intelligence. C'est l'esprit de compréhension de la parole. Si tu as ça là, tu comprends la parole. La parole de Dieu, tu comprends. C'est comme si on met en toi la parole de Dieu. C'est ça. C'est l'esprit d'intelligence. Vous devez demander ça. Et de connaissance. Quand tu as ça, tu prends la Bible là. Dieu ouvre ton esprit même avant que tu prennes la Bible. Et te révèle les choses. Quand tu prends ça, quand on répond, je vois tout. Quoi, tout est dedans. Je vois tout verset là. Je vois toutes les choses cachées. Alors, d'abord, il faut demander l'esprit de compréhension. C'est important. Gloire à Jésus. La lecture met l'esprit vivifie. Notez ça, écrivez le verset. Et vous allez photographier le tableau. Et nous allons partager à nos frères, après qui sont sur la page, et sur les groupes. Donc, celui qui, quand je dis que ça, l'interprétation, c'est un mystère, c'est un bégaiement. Voilà. Donc, gloire à Jésus. Nous allons expliquer le bégaiement de Moïse. Et quand nous allons finir d'expliquer le bégaiement de Moïse, nous allons prendre pause. Et le soir, nous allons revenir et expliquer chaque langage et donner des exemples à l'appui. Voilà. Voilà. Le bégaiement de Moïse. C'est bon? L'esprit vivifie. Ok. Le bégaiement de Moïse. Et prenez la photo d'abord. Gloire à Jésus. Alléluia, amen. Jésus parlait en parabole. Quand vous prenez les quatre livres de l'évangile, d'abord, les quatre langages, je dis cela d'abord. D'abord, les quatre langages sont comme quatre évangiles. Et les quatre livres de l'évangile. Il n'y a pas quatre évangiles comme ça. C'est un seul évangile, mais en quatre bras. On l'appelle les quatre bras de l'évangile. Vous avez pris la photo? Ah, on déprend ça. C'est facile, voilà.
nous allons mettre, entrer dans une dernière phase. Et c'est là, c'est par cette phase que nous allons finaliser la première partie. Il y a plusieurs enseignements encore, mais les trois jours ne suffisent pas. Néanmoins, on va tout résumer. Et les autres, on va faire ça après. Spécialement, on peut avoir des enseignements spécifiques. Hein. Si vous êtes disponible. Ah! C'est bon? Ah, vous avez effacé l'enquête. Oh. Oh. C'est très bien. Ouais. Donc, mettez toujours le titre principal et le titre, le sous-thème. Et nous allons mettre le sous-sous-thème ou bien on va mettre le bégaiement, les paraboles. Qu'est-ce qu'une parabole? Et le bégaiement de Moïse. Ou bien le message parabolique et le bégaiement de Moïse. Voilà. C'est ça, nous allons finir. Ça ne va pas prendre assez de temps. Donc. C'est fini? Non, prenez le bleu avant. Moins pour exercer le ministère de la parole. Ok, on va continuer pendant qu'ils sont en train d'écrire, on continue. Mais le message parabolique et le bégaiement de Moïse. Le message parabolique et le bégaiement de Moïse. Message, notez ça aussi au tableau. On va faire la photo. Une parabole. Les messages paraboliques. Les messages paraboliques et le bégaiement de Moïse. C'est ça la parole là est d'abord parabolique. C'est l'interprétation qui devient la révélation, l'explication, l'exposition, le dévoilement. On a dit à Jérémie, c'est Jérémie. De manger le rouleau. Ézéchiel. De manger le rouleau. Le rouleau, c'est d'abord le livre. C'est d'abord le mystère de la vallée. Et d'aller exposer, de parler au roi, de parler, de les parler.
Donc tu dois manger d'abord la parole. Or la parole que tu veux révéler, toi, tu as compris d'abord. Quand tu comprends la parole, tu connais le mystère caché et tu vas interpréter. Donc la parole, lorsqu'elle est donnée, elle a besoin d'être interprétée par le langage utilisé. Mais la Bible dit quelque part que la parole de Dieu ne doit pas être soumise à une interprétation particulière parce que ce n'est pas l'esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Oui, le seul moyen d'interprétation des Écritures, c'est l'esprit de Dieu. Voilà, l'esprit de Dieu, l'esprit de la compréhension, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas une manière d'interprétation particulière hors de l'esprit. C'est quoi le ministère de la parole? C'est un ministère de l'esprit. Quand tu reçois la parole, tu communiques. La parole doit être interprétée, comprise par le Saint-Esprit. Les théologiens ont échoué là. Eux, ce n'est pas la lettre qui tue, qu'ils interprètent la parole. Nous, nous avons la grâce d'avoir l'esprit de compréhension et de révélation, d'interprétation. Eux, ils ne le font pas la lettre. On ne comprend pas la Bible par la lettre. Parce que la Bible est d'abord une lettre. Mais la parole de Dieu est esprit. Il résonne assez. Quand vous voyez toutes les révélations que je suis en train de donner jusqu'ici, si il y a des théologiens là, ils vont raisonner. Ils raisonnent. Ils ne comprennent pas la lettre. Mais quand on entre dans les révélations, ils ne supportent pas. Parce qu'eux sont dans le domaine scripturel. Or, quand tu domines, ton temps, tu passes tout ton temps dans le domaine scripturel, tu ne sois pas spirituel. Or, la Bible dit nous employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Dans 1 Corinthiens 2. C'est bon? Oui. Tous les versets que vous avez dit de chercher là, vous ne les trouvez pas. Et c'est moi-même qui les trouve. 13. Vous êtes remplis. Vous aussi, vous êtes remplis. Amen. 13. 1 Corinthiens 2, 13. Je vous le nom de Jésus. Et nous en parlons, non avec des discours. Dans l'interprétation de la parole, nous n'employons pas des discours persuasifs de sagesse. Nous n'employons pas de discours de la lettre. On ne peut pas étudier la lettre pour interpréter encore la lettre. La chose est la lettre. Or, c'est l'esprit qui est transcrit dans la lettre. Je ne peux pas étudier la lettre encore et l'interpréter. C'est l'esprit que j'utilise qui m'aide à l'interpréter. Quand l'esprit me conduit, je trouverai que cette parole qui est littérale en réalité n'était qu'une parole inspirée de Dieu, qui a été écrite. Mais qui ne doit pas être interprété particulièrement par d'autres sciences du monde, par d'autres langages persuasifs, mais uniquement par l'esprit. Car la parole est esprit et vie. Si la nature de la parole est esprit et vie, ainsi mon langage d'interprétation que j'utiliserai pour expliquer doit être aussi un langage d'esprit. C'est là le ministère de la parole. Lisez. Et nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ah, les choses spirituelles, mais sont encore cachées comme de la lettre. Alors j'utilise un langage spirituel pour révéler ces choses spirituelles, mais qui étaient cachées. Est-ce que vous comprenez? Donc nous utilisons un langage spirituel, purement spirituel. C'est pourquoi parfois d'autres vont dire, non, on ne comprend pas, quand les docteurs enseignent, c'est un langage solide. Non, c'est le langage spirituel. Et nous devons être remplis de la parole. C'est pourquoi pour comprendre l'enseignement doctrinal, tu dois avoir une vie de méditation. Si tu n'as pas une vie de méditation, là, tu ne comprendras pas l'enseignement doctrinal. Même si tu ne comprendras pas n'importe quel enseignement donné à l'Église. C'est pourquoi au lieu de c'est-à-dire, nous devons plutôt dire aux brebis, aux âmes du Seigneur, d'avoir une vie de méditation de la parole. Quand ils ont une vie de méditation de la parole, ils comprendront la parole. Parce que nous ne sommes pas censés prêcher à un public qui n'aime pas la parole. Si c'était les parents, c'est compris. Mais en Christ, nous parlons à des gens qui sont censés, ou bien qui sont sanctifiés par la parole, et qui sont censés garder en eux la parole pure.
Moi, je vais seulement expliquer ce qu'ils n'avaient pas compris dans leur méditation. C'est pourquoi vous devez être rempli du Saint-Esprit et aimer la parole, être rempli de la parole pour comprendre les enseignements doctrinaux. Sinon, vous allez perdre. Vous direz toujours qu'ils utilisent un langage soutenu. Ça, c'est ce qu'ils doivent, eux doivent faire. Eux ne peuvent pas être à la taille des âmes, des brebis, pour enseigner. Il ne peut pas. C'est un langage spirituel qu'il doit utiliser. Il ne peut pas utiliser un langage terre à terre, un langage spirituel, un langage charnel, non. Parce que les choses de la terre sont terrestres. Et les choses spirituelles sont célestes. Pour les païens, on peut utiliser un langage terre à terre pour les amener. Mais pour nous là, ce n'est pas un langage charnel. La Bible dit quoi? Un langage spirituel. Or, le langage spirituel, c'est faire les choses d'en haut. Or, les choses d'en haut sont où? Le ciel. Elles sont sur la terre. Donc nous prêchons un langage spirituel, un langage céleste pour les choses célestes. Acclame Jésus. Mais, voilà, le message parabolique et le bégaiement de Moïse. Voilà, définition de parabole. Gloire à Jésus. Alléluia. Une parabole. Oui. Une parabole est un court message. Une parabole est. Vous allez voir que tout le ministère de Jésus là, c'était des paraboles. Rien que des paraboles. Et si on ne comprend pas là, on ne peut pas enseigner. Et même les brebis aussi doivent chercher à comprendre ça. Une parabole est un court message. Présenté au sens figuré. Quelqu'un pour reprendre. Une parabole est un court message présenté au sens figuré. Voilà. Par un locuteur. Par un locuteur. Pour communiquer. Une pensée par des. Attends, une pensée souffle. Attends. Voilà. Vous êtes où? Une pensée étant sous forme allégorique. Étant sous forme allégorique. Forme allégorique avec un style rhétorique dans le but de persuader par l'esprit. Quand on dit esprit grandeur, vous savez de quoi on parle, non? Le Saint-Esprit. Par l'esprit, de persuader par l'esprit, afin de convaincre et d'édifier les auditeurs. Afin de convaincre et d'édifier les auditeurs. C'est bon? Quelqu'un pour me lire. Une parabole est un court message présenté au sens figuré par un locuteur pour communiquer une pensée étant sous forme allégorique
avec un style rhétorique dans le but de persuader l'esprit afin de convaincre et d'édifier les auditeurs. Voilà, voilà la définition d'une parabole. Voilà. Ça dit la parabole est d'abord un coup message. Vous comprenez? Présenté au sans figuré. Quand on dit sans figuré, c'est caché. C'est pas réel. Vous voyez? On présente, on tue les choses terrestres pour parler. La parabole, c'est quoi? Une parabole utilise les choses terrestres afin de parler des choses célestes, spirituelles et célestes. Jésus, lui, utilisait les langues, un langage terre à terre. En réalité, c'est la parabole qui est terre à terre. Et c'est ce qui est terre à terre qu'on ne peut pas comprendre. C'est ce qui est terre à terre qui est un mystère et qu'on ne peut pas comprendre. Et laisse Jésus utiliser les choses terre à terre pour parler. Personne ne pouvait pas comprendre. Parce que c'était caché. Quand tu lis les paroles, tu sens que c'est fou, que c'est facile. Mais parfois tu ne comprends pas. Et c'est difficile à comprendre. C'est un langage, pas connaissance, terre à terre. Mais c'est pas. Il lui disait, mais l'esprit de révélation n'a pas encore commencé. Il parlait par parabole au peuple, à tout le monde, aux pharisiens, scribes et autres. Et quand il va voir les disciples, il expliquait la révélation, l'interprétation. Mais les disciples ne comprenaient pas encore. Parce que l'esprit de Dieu n'était pas encore manifesté dans leur chair. Car lorsque l'esprit est là, il y a la révélation. C'est pourquoi Jésus dit dans, on va revenir dans ce verset. C'est clair? Donc vous allez voir, Jésus utilisait les chants. C'est les choses terrestres, non? Les choses terrestres. C'est pourquoi il dit que si je ne vous parle pas des choses terrestres, je vous parle des choses spirituelles, pas des choses terrestres, et vous ne me comprenez pas. Quand sera-t-il? Hein? Lorsque je vous présente des choses célestes. Quelqu'un ne lisez pas. Voilà, lui, qui veut voir dans lui. Si je vous parle, hein? C'est pourquoi il vous dit que le langage terrestre, là, c'est ça qui est incompréhensible. Parce que attaque enfin de Dieu, nous sommes appelés à des hommes, nous sommes des hommes spirituels. Donc le langage que nous comprenons là, ce n'est pas le langage terre à terre. Le langage que nous on peut comprendre, c'est le langage spirituel. C'est pourquoi dès à présent, habituer le peuple, dites-les qui sont spirituels. Vous êtes spirituels. Ah, papa, montre. Papa dit, répétez. Vous êtes spirituels. Ah, à partir de maintenant. Tout le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Voilà. On commence par les dire. Là, eux, nous chercherons à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. C'est là maintenant qu'ils vont aller dans les profondeurs. Dieu va commencer par les expliquer les choses cachées. Il ne peut rien pas comprendre sans l'intimité avec Dieu. C'est ça, les hommes spirituels. On ne peut pas prendre nourriture destinée aux païens directement donnée. Non, non. Nous sommes sanctifiés par la parole. Or, la parole est esprit vie. Donc, nous, la nourriture qui nous sanctifie là, c'est la parole vivante. Donc, nous sommes. Autant que la parole est esprit et vie, nous aussi nous sommes esprit. Et la vie est en nous parce que la parole est la vie. Jésus, en ce temps, parlait par connaissance, pas en termes paraboliques, pas les choses terre à terre. Il utilise les champs, le blé, l'ivraie. Vous voyez, les béabas. Mais personne ne comprenait pas. Comment il va dire que le roi de Dieu est semblable à un champ? Et ça, on appelle le langage terre à terre. Ce langage, on ne peut pas comprendre la parole dans ce langage. C'est le langage des choses terrestres. En ce temps-là, Jésus lui disait parce que lui ne voulait pas que les gens comprennent dans le temps. Si les gens arrivent à comprendre, ils ont la vie éternelle en même temps. Alors il est venu d'abord cacher les choses d'une manière parabolique, sous forme de quoi? Sous forme d'allégorie, d'une manière abstraite. Pour que l'esprit ne les révèle pas encore les choses. Parce que si l'esprit les révélait là, l'œil de la croix allait être vert. Parce que c'est à la croix qui va tout accomplir. Et c'est quand tout sera accompli, maintenant que l'esprit va descendre si tu sais. C'est pourquoi il dit n'enlevez pas une iota de la loi. Parce que la loi, c'est le bégaiement. La loi, c'est le bégaiement. Ok. La lettre, c'est le bégaiement. La lettre, c'est le mystère. La parole est la révélation. L'esprit est le discernement. L'intelligence pour comprendre. La révélation cachée dans la lettre.
C'est clair maintenant? La lettre, c'est le bégaiement. La loi, c'est la loi où la lettre, efface la lettre, mais la loi. La lettre, c'est le mystère. C'est ça qui est terre à terre. Mais c'est ça qui est terre à terre. Donc on ne peut pas parler un langage terre à terre. Parce que l'écriture parle du langage spirituel, hautement spirituel. Nos enseignements doivent être hautement spirituels. Notre vie doit être spirituelle. C'est ça, cela ne veut pas dire de bégayer encore. Hein. Quand je prends le micro pour enseigner, je ne dois pas bégayer. Quand je dis bégayer, là, ce n'est pas le bégayement physique. Je dis des choses que moi-même je ne comprends pas. Et je dis que c'est révélation. Ça, c'est Chanel. Je dois être dans le contexte et que l'esprit m'accompagne. Et j'utilise, c'est-à-dire, je fais en sorte que ceux qui m'écoutent comprennent. Moi, quand j'essaie là, je fais tout pour que les gens comprennent. Est-ce que vous l'avez compris là? Je dis ça une fois avant de laisser le micro. Est-ce que vous l'avez compris? Oui. Et ils disent oui. Mais après, ils vont dire que non, c'est dur, vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas, dites je ne comprends pas. On répond. Moi, je suis capable de répondre 10 fois, 20 fois. C'est pourquoi je parfois vous pensez, vous voyez comme si je réponds les mêmes choses. Je fais ça pour que ça soit ancré dans le cœur. Amen. La chair ne peut pas comprendre le langage spirituel. Celui qui est de la terre comprendra un langage terre à terre. Mais ce sera difficile de comprendre le langage spirituel. C'est pourquoi les disciples écoutaient bien. Ils écoutaient. Mais cette compréhension n'était pas spirituelle. Ils entendaient. Les sadducéens, tout ça, entendaient. Mais ce n'est pas encore pour être spirituel. Jésus a caché. C'est pourquoi il faut qu'ils entendent, mais n'entendent point. Ils aient des oreilles, mais n'entendent point. Des yeux pour voir, mais pour qu'ils ne voient point. Cela a été pour dire les Isaïe. Pourquoi? S'ils voient, s'ils ont la révélation, s'ils ont les coursiers comprennent là, ont la connaissance, l'œuvre de la croix serait venue. Jésus n'allait plus avoir besoin d'aller. Il est allé là-bas pour pouvoir accomplir toute la loi. Mais si toute la loi est dévoilée, accomplie avant la croix, ça montre que l'œuvre de l'évangile est faite. Or, c'est pour que Christ aille à la croix qu'il est venu. Or, c'est à la croix qu'il déclara que tout est accompli. C'est à la croix que tout est accompli. Alors, il doit cacher pour qu'il ne comprenne pas. Mais depuis ce temps, jusqu'au temps où il était allé à la croix, et qu'il a tout accompli, aujourd'hui, nous ne prêchons plus un langage terrestre. Cherchez-moi le verset où Jésus disait ça. Ça doit être dans Matthieu 11, 13. Tout est accompli. Si, non, les choses terrestres pour parler. Là où le Seigneur disait, tu ne vous parles pas des choses terrestres. Nous utilisons aujourd'hui un langage céleste, un langage spirituel, non un langage terrestre. Jésus avait utilisé un langage terrestre parce qu'il avait voulu que tout soit codé. Les choses naturelles n'ont pas une vie spirituelle. Les choses naturelles peuvent symboliser des choses spirituelles. Mais nous utilisons la langue spirituelle pour interpréter les choses naturelles. Or, dans les choses naturelles, est caché. Avec Nicodème, est-ce qu'on s'en fout? Dans les choses naturelles, est cachée la parole invisible, mais qui ne peut pas être comprise dans les choses terrestres. Jean-Trois? Si. Ah, c'est le Nicodème, voilà, je me rappelle. Hein? Jean chapitre 3, verset 12, je lui ai dit. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Reprenez. Vous voyez, nous on est en train de parler de quoi ici? Est-ce que c'est des choses terrestres qu'on parle? Nous parlons de quoi maintenant? Nous parlons des choses célestes. Jésus lui parlait de quoi? Des choses terrestres. Ah. Le Saint-Esprit a été donné pour parler des choses terrestres ou parler des choses célestes? Célestes. Mais Jésus lui parlait des choses terrestres. Ah, on dit Jésus est le Saint-Esprit. Non. Il a fait ça parce qu'il n'avait pas encore donné l'esprit. Donc, pendant que l'esprit n'était pas encore accordé, la loi dominait. Or, pendant que
la loi dominait, la révélation ne pouvait pas être donnée. C'est pourquoi il faut qu'il accomplisse d'abord la loi. En parlant des choses terre à terre. Or, ces choses terre à terre ne peuvent pas sauver l'esprit. Vous comprenez? Oui. Parce qu'il parle, il dit les choses en un langage terrestre. C'est pas mauvais. Il a fait pour aveugler les gens. Maintenant, la révélation sera quand il va donner son esprit. C'est pourquoi il disait qu'il a caché les choses au grand de ce monde pour le révéler aux petits enfants. Parce qu'en ce temps, les grands de ce monde étaient les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Ils ne pouvaient pas comprendre. Parce que cela ne l'est pas destiné. Il faut que Israël soit aveuglé pendant un temps. Et que l'évangile quitte Israël, aille dans les extrémités de la terre. C'est comme à la table, il y avait des nourritures. Et des chiens sont en bas. La nourriture est donnée d'abord à Israël. Israël n'a pas reçu la parole. La nourriture, les miettes sont tombées à terre. Les chiens prennent la miette. C'est là la dame qui avait, elle avait eu la révélation. Et le Seigneur lui a dit, tu as compris. C'est ça, c'est nous qui ne devions pas, qui ne devions pas normalement avoir la révélation, avoir l'évangile. Qui était, parce que cela était codé. C'est parce que c'était codé que la nourriture a commencé à tomber de la table pour aller par terre. Vers nous. Et lorsque la nourriture est venue vers nous, nous on a pris la nourriture, on a mangé. C'est ça l'évangile qui était caché pour Israël et qui est révélé après lui de la croix lorsque l'esprit était descendu. C'est clair? Jésus parlait des choses terrestres. Hein, il dit, relisez. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Voilà, c'est pourquoi je vous dis, si vous ne ça, les choses terrestres, ça, c'est le premier niveau, les béabas, les choses extérieures, les choses béabas, vous comprenez déjà? Si vous, c'est une étape première, mais après ça, là, c'est les choses célestes. Donc nous, dans la Sainte Doctrine, dans le ministère de la parole, c'est les choses spirituelles que nous disons, pour interpréter les choses spirituelles. Parce que l'esprit a été donné. Alors, nous définissons, je ne vais pas sur la définition. Voilà, relisez-moi la définition. Non. Là, je parle de la définition de parabole. Voilà. Une parabole est un court message présenté au sens figuré par un locuteur pour communiquer une pensée étant sous forme allégorique. Quand on parle d'allégorie, j'ai dit que c'est abstrait, caché, qui ne peut être compris, qui est confus. Rhétorique, avec un style rhétorique. L'explication doit être révélée par un style rhétorique. Rhétorique, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est l'éloquence. Or, le rhétorique, dans la parole ici, c'est la manipulation des quatre langages. Tu dois être habile pour sortir ce qui est caché d'une manière abstraite pour le révéler. Donc, c'est un langage rhétorique. En français, on appelle ça le rhétorique. C'est le verbe. C'est la capacité de toucher les cœurs par la parole. Oui? Avec un style rhétorique, dans le but de persuader par l'esprit, afin de convaincre et d'édifier les auditeurs. Ok, les auditeurs, d'accord. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà. Donc c'est bien cette définition. Ok. Donc allons-y. Nous allons parcourir le béguéma de Moïse. Exode 4, verset 6. Verset 10. C'est ça que nous allons faire pour continuer la première partie. Exode 4, verset 10. Exode chapitre 4, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Ok. Exode 10, Exode, je vais expliquer. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Voilà, ça c'est la parole facile, vous voyez, non?
La part facile, c'est le Saint-Esprit. Donc Moïse dit, oh, je n'ai pas le Saint-Esprit. Par exemple, nous avions dit que la parole facile ou la langue facile, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Donc Moïse dit, moi, je n'ai pas d'abord l'Esprit. Non. Ça, c'est pour ça, dans la révélation. D'entrer dans la révélation. Continue à l'exprimer. Hein? Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Voilà. La bouche, ça c'est la pensée. La langue, c'est la parole. Notée. La bouche, c'est la pensée. La langue, c'est la parole. La bouche, c'est la pensée. La langue, c'est la parole. Ma bouche et ma langue sont embarrassées. Ma pensée n'a pas été facilement régénérée. Ma langue n'a pas été décodée. Ma langue n'a pas été rendue facile. Ça, c'est le bégaiement. Mais souvent, le bégaiement physique, vous voyez comment ça se passe. Elle a même parlé comme ça. Il tue avant de parler. En réalité, dans la révélation, celui qui bégaye n'a pas la connaissance de la parole. Il l'a, mais aussi, quand il veut le dire, c'est difficile de l'expliquer. Ou parce qu'il n'a pas le langage spirituel et ne peut pas interpréter la parole spirituellement. C'est difficile pour lui. Parce que sa langue n'a pas été rendue facile par le Saint-Esprit. Notez le verset. Ok, c'est bien. C'est bon? Alors, qu'est-ce que Dieu va dire au peuple d'Israël? Allez-y dans Esaïe. 29, verset 11 à 12. Esaïe 29. Esaïe chapitre 29, le verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Qui est cet homme dans la révélation? Oh, je viens de dire cet homme, on vient de lire. Moïse. Non, comment Jésus? Moïse. Jésus ne sait pas lire la parole. Moïse. Non. C'est Moïse, non? Vous n'avez pas lu Exode maintenant? Moïse. Comment il lit Exode? Et Exode ne peut pas, il n'a pas la pensée facile. Sa bouche, les deux se sont dans la confusion. Parce qu'il a le bégaiement. Il dit, je ne peux pas parler. Je n'ai pas une parole facile. Et aussi, maintenant, c'est parce qu'il n'y a pas révélation, la révélation qui parle comme ça. Maintenant, dans Esaïe, on va dire au peuple, relisez. C'est pourquoi il faut être attentif. C'est pourquoi quand on prêche là, beaucoup d'entre vous vous disent qu'on utilise le langage du. Or, en réalité, tout est clair et facile à comprendre. Si vous êtes attentif. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché. Relisez les autres et on va lire les deux, vous allez comprendre. D'accord. Exode 4, le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Voilà. Donc c'est comme si Dieu était d'appeler Moïse pour lui donner une mission. C'est comme une lettre de mission. Or, dans une lettre, il y a des choses écrites. C'est comme un rouleau qu'on donne à un homme pour lire et aller exposer. C'est pourquoi après, on va donner à Moïse la loi comme un livre. C'est pourquoi Moïse va écrire les livres de la loi. Et on lui donne la loi, lui-même ne comprend pas la loi et va parler de la loi au peuple. Comment tu peux être aveugle et conduire des hommes? Ceux que tu conduis seront aussi aveugles. Alors lisez Esaïe 29, verset 11 à 12. Esaïe 29, verset 11 à 12. Toute la parole est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Ah, la parole là, le ministère de la parole pour eux là, c'est comme un livre cacheté. Tous ceux qui sont dans la loi,
que l'on donne à un homme qui sait lire en disant à Moïse. On lui donne, hein? Lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis. Il ne le puis. C'est ça, il a dit là-bas. Car il est cacheté. Il est cacheté. Ou comme un livre que l'on cacheté donne. Cacheté veut dire scellé, mystérieux. Dans la loi, dans la main, le livre de la loi, dans la main de Moïse, est scellé, cacheté, non compris. Oh, vous ne notez pas les choses, vous ne notez pas. Notez chaque fois, c'est des inspirations qu'on peut publier après, que nous, on peut garder. Vous comprenez? Hein? La loi dans la main de Moïse est comme un livre caché. Parce que lui-même n'a pas la bouche facile pour comprendre. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas. Quel lire homme à qui on a donné le livre? Moïse. Quel est le livre qui lui a été donné? La loi. Ah, au Mont Sinaï, pour la première fois, on l'a appelé pour aller faire Pharaon. Oui. Mais pour la deuxième fois, dans le désert, dans le mont Horeb, c'est même Mont Sinaï. Oui. On lui donne le livre qui est dans sa main. Lui-même ne comprend pas ce qui est écrit. En réalité, le livre de la loi parlait de Jésus. Moïse ne savait pas cela. Moïse pensait, Moïse lisant, c'est des choses des brouillons. Parce que lui-même, il bégayait assez. Physiquement, il bégayait, mais pas son bégayement physique. Nous, dans la révélation, nous disons que le bégayement de Moïse physiquement, naturellement, est aussi le bégayement de Moïse spirituellement dans la révélation. En tant que Moïse bégayait physiquement, il bégayait aussi spirituellement. Parce qu'il ne peut pas interpréter. Celui qui ne peut pas interpréter la parole de Dieu est quelqu'un qui bégaye. C'est pourquoi je vous dis que quand vous prenez le micro devant le peuple, ne bégayez pas. Ce n'est pas physiquement pour vous, non. Mais ne bégayez pas. Parlez de la part de Dieu. Par le Saint-Esprit. Car ce n'est pas l'Esprit que tous les hommes ont parlé de la part de Dieu. Acclame Jésus. Parce qu'il ne peut le dévoiler. Il ne peut le dévoiler. Il virgule, point, point. Il ne peut le dévoiler, ni le révéler. Parce qu'il n'a pas une pensée régénérée. En Christ. Parce que c'est Christ qui. On dit que, on dit que c'est une homme, mais que c'est en Christ que ça apparaît, qu'on voit la lumière, non? Donc, Moïse, là, il y a un voile. C'est le voile maintenant qui va permettre à ce que la pensée de Moïse ne soit pas facile pour capter l'esprit. C'est pourquoi on dit que la bouche et la langue étaient embarrassées. Parce que la pensée et la parole de Moïse étaient confuses. Confuses par le manque de révélation. Il ne peut le dévoiler, ni le révéler, Il ne peut le dévoiler, ni le révéler, parce que sa pensée, voilà. Donc on va d'abord dire, parce que sa bouche et sa langue étaient comment? Embarrassées. D'abord, point. Et on va interpréter maintenant. Embarrassé, non. Point. C'est-à-dire, sa pensée n'était pas régénérée en Christ. Ou bien on va dire, non, au mieux de dire régénérée, n'était pas couvert de la gloire. Du Christ, c'est mieux. Parce qu'il avait un voile qui couvrait sa pensée. Sa pensée
n'était pas couvert de la gloire du Christ. Qu'est-ce qui couvrait sa pensée? J'ai dit ça maintenant. Voilà. Acclame Jésus, au moins ça. Assez. Sa pensée n'était pas couverte de la gloire de Christ. Ainsi, nous disons que Moïse Moïse, nous disons que Moïse parle des mystères qu'il ne comprend pas, lui-même, que le peuple ne peut comprendre et pratiquer. Il disait des mystères. Parlez des mystères. Soyons dynamiques. Parce qu'il y a encore un enseignement ce soir. Donc nous sommes déjà vers la fin de cette première partie. Donc, si on finit cette étape, nous allons expliquer maintenant les quatre bras de l'évangile, les quatre manières d'interpréter la parole, d'annoncer l'évangile, les quatre langages utilisés pour prêcher Christ, pour révéler l'évangile éternel. Que lui-même ne comprend pas, que le peuple ne peut comprendre. Vous voyez que la parole de Dieu est douce, très douce. Acclame Jésus. Voilà. 2 Corinthiens 3, verset 14. J'ai dit que c'est le voile qui a couvert la pensée de Moïse. Vous allez voir quelque chose. À Aaron, l'Éternel va dire à Moïse de faire une lame de sainteté, quelqu'un qui a une lame bleue sur le front de Aaron, pour que la pensée de Aaron soit couverte de la pensée divine, pour être habile d'exercer le sacerdoce. Mais à Moïse, on met un voile sur lui. Lui dit de mettre un voile. Pourquoi? Parce que Moïse devait être voilé jusqu'au temps où Christ accomplirait tout à la croix. Quand Jésus parlait au temps du salut, au temps où il était sur terre, avant la croix, oui. Il avait une épée à double tranchant. Il avait une épée. La première épée, c'est l'épée de. Ça dit, il avait Moïse et Aaron. Moïse. Quand il disait des choses voilées, paraboliques, que les gens ne pouvaient pas comprendre. Quand il parlait terre à terre, ça c'est Moïse. C'est des mystères, il disait. Mais quand il disait des vérités qui doivent être révélées au temps de la nouvelle alliance, il parlait comme Aaron. En réalité, nous disons par là que les deux cohabitaient ensemble, comme je l'ai dit, le blé et l'ivraie, jusqu'à l'époque de la Réformation. Dès que Christ a tout réformé à la croix, l'ivraie a été ôté, la loi. C'est pourquoi dans Éphésiens, on dit qu'il anéantit la loi des ordonnances et des prescriptions, en établissant une parfaite union entre les deux. Là, maintenant, en Christ, nous sommes des sacrificateurs, comme Aaron, comme Jésus-Christ. Nous sommes aussi des prophètes, comme Jésus, qui est lui-même la vraie prophétie, le vrai prophète par excellence, qui accomplit en réalité ce que Moïse n'avait pas accompli. Lorsque lui disait des mystères, Jésus est celui qui a révélé ces mystères cachés. Acclame Jésus-Christ Nazareth. C'est clair, hein? Ah, gloire à Jésus. Donc, on dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand
Ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Ah voilà, ça je le vois. Parce que quand ils font la lecture, ils ne comprennent rien. Or c'est l'esprit. Donc c'est en Christ que quoi disparaît? Le voile. Donc, en Christ. Voilà. Donc Moïse avait un voile. Écrit. Moïse avait un voile qui couvrait sa pensée pour que la gloire du Christ ne se manifeste pas. Pour dévoiler le mystère de la loi. Gardez, quand je dis la phrase, gardez ça en même temps, tête et écrivez. C'est une formation aussi pour garder la parole. Montez bien le tableau et venez ici pour bien montrer. C'est le ministère de la parole. C'est bon? Ok. On écrit quoi? Or, c'est en Christ que ce voile disparaît. Par la révélation de la lumière. C'est bon? C'est bon? Ok, je continue. Je loue. Voilà. Gloire à Jésus. Voilà. Moïse reçut l'ordre. Joël lit ce que j'ai ici. J'ai écrit ici. Et vous allez noter les points qui vous touchent. Moïse reçut un ordre, Dieu l'a tout dit, mais je veux lui donner pour que vous puissiez noter si vous voulez. Moïse reçut un ordre de mission d'aller vers Pharaon afin de défendre le peuple hébreu qui était en captivité en Égypte. Mais Moïse fait savoir à Dieu qu'il est un homme qui n'a pas la parole facile parce que sa bouche et sa langue étaient embarrassées. Ça, on a compris clairement que c'est un mélange entre la loi et la parole, la sainte doctrine. Donc, il y avait un mélange. Sa pensée était confuse. Et son intelligence ne pouvait pas comprendre. Lui-même avait le bégaiement, parce que la loi qu'il portait était un mystère. Il avait un bégaiement, pas connaissance dans sa propre chair, et aussi un bégaiement, c'est-à-dire pas doctrine. Parce que dans la doctrine, ce bégaiement, c'est la loi. Et dans la révélation, ce bégaiement, c'est le temps d'aveuglement. Le voile qui était sur lui, c'est ça, ce bégaiement, dans la révélation. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Un homme qui n'a pas la parole facile, parce que sa bouche et sa langue étaient embarrassées. Moïse était quelqu'un qui bégayait assez. Donc pendant que Moïse parlait aux Égyptiens, il bégayait. Mais Dieu va mettre Aaron à son côté. Parce que Aaron, lui, ne bégayait pas. C'était Moïse qui bégayait. Allons-y dans 1 Corinthiens 14. Quelque part, on dit que celui qui parle en langue dit des mystères. Oui. Vous comprenez? Oui. Celui qui parle en langue, qui prie en langue dit des mystères. 14 combien? 14. Alors? 5 ou 7. 14. Alléluia. Amen.
Lisez-moi 1 Corinthiens 14, verset 7 à 9. 1 Corinthiens 14, verset 7 à 9. Je vous remercie, Jésus. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas les sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Ah, ça montre qu'il y a plusieurs langages. Les sons doivent être dits. Le son, c'est la parole. Le son, c'est la parole. Or, la parole, c'est la lumière. La voix, c'est la parole. Donc, la voix, c'est la pensée révélée par la parole. Le son. C'est ce qu'on ressent dans la nuit. Pourquoi je ne pas? Le son, c'est la parole. Or, la parole est la lumière. Le son est ainsi la lumière. Le son de Dieu est ainsi la lumière. La voix est la pensée de Dieu révélée par la parole. Le son et la voix sont la manifestation de la sont la, les moyens par lesquels la parole est expliquée. La voix est la pensée de Dieu révélée par la parole. Le son, il y a une seule voix. Il y a une seule voix dans la parole qui est communiquée par des sons distincts. Il y a une seule voix dans la parole qui est communiquée par des sons distincts. Par les sons distincts. Ces sons distincts sont des quatre langages. La parole est une voix. Les sons distincts sont les quatre langages de la parole. Qui est le ton de la parole? Le ton de la parole. Mais quatre sons distincts de la même voix. Vous comprenez? C'est clair? Oui, vous le comprenez. C'est clair. Gloire à Jésus. C'est les enseignements puissants. Il y a de recevoir. On dit, il n'y a pas une notion particulière à recevoir. C'est l'enseignement qui donne, qui est l'onction, qui est la connaissance que vous recevez comme ça. Donc, être moins pour humiliser la parole, voici ce que ça représente. Vous comprenez déjà? Voilà. Pas quatre langages. Non, attends. Il y a une seule voix divine qui est le ton de la parole, mais communiquée par quatre sons distincts qui sont les quatre langages de la parole. En parenthèse, révélation, connaissance, prophétie, doctrine.
Yeah, relisez-moi le verset. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Donc quand j'enseigne, je suis en train de jouer une flûte, etc. Mais quand je parle par la révélation, c'est le son que... ça peut être do, ça peut être un fa. Or, on appelle toute la musique la voix donnée. Donné. Mais les notes diffèrent de la musique, de la gamme. Voilà. Donc nous disons que la parole est la gamme musicale. Et les notes ou les notes sont des quatre langages. Autant qu'il y a les notes do, fa, do, ré, mi, fa, sol en musique, il y a aussi des sons différents. Quand on dit do, quand on joue do, c'est différent. Mets ça. Ah. La parole est la gamme de définition. C'est la gamme, la parole. Ou bien pianiste. La parole est la gamme. Parce que la gamme est unique. On peut jouer toutes les mélodies, les sons dans une seule gamme, dans la gamme de do, dans la gamme de fa ou dans la gamme de sol. Mais les notes divers. Quand j'entre dans la gamme, dans la même gamme, quand je prends la note de do là, je peux trouver ça dans la gamme de do. Quand je prends la note de fa, je peux trouver ça dans la gamme de do. Quand je vais en gamme de ré, je peux trouver la note de do dedans. Ce qui veut dire que quand je parle par révélation, quand je parle par révélation, c'est toujours la parole. Quand je parle par, je parle la, quand je j'enseigne la parole, on doit trouver dedans un son. Donc c'est comme ça. La musique, on tue la musique pour parler par révélation. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. La parole est la gamme. En domaine musical. En domaine musical. La parole est la gamme, c'est-à-dire la voix principale. De la musique. Je suis un musicien aussi. Ah, c'est bon. La parole est la gamme. Dans le domaine musical, mais dans le domaine musical. La voix principale, on appelle ça encore la tonalité. La voix principale figure la tonalité. La tonalité qui est la langue divine. En parenthèse, parole de Dieu. Non, on a déjà dit la parole ici. On n'a plus besoin de mettre parole de Dieu. En parenthèse. Maintenant, en matière, en domaine musical, chaque note, chaque note d'une gamme, ou bien toutes les notes d'une gamme ont des sons distinctifs. Mais dans la même gamme. En matière, chaque note d'une gamme a des sons, un son distinctif. Non. Tous les notes, mettez les notes, ou bien les notes d'une gamme ont des sons distinctifs. C'est mieux. Vous comprenez, ou bien les sons distincts. C'est mieux, distincts. Non. Les notes du gamme ont des sons distincts. Ont des sons distincts. Mais une seule gamme principal. Ah,
Ok, Paul, c'est bon? C'est bon? Voilà, relis, relis. Si les... 1 Corinthiens 14, 7 à 9. Si les objets... Approchez le pied. Qui rentrent... Et gardez ça permanent. Comme ça. Je vous supprime. Voilà. Lisez. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons... Ouais, la musique, on parle ici de la révélation de la parole et de langage. Reprenez et on va lire. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts... Voilà. Même les objets doivent aussi avoir des musiques distinctes, des sons distincts. Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Oui. Et si la trompette... Donc quand on joue bakiri, ça va être boubou. Quand on joue guitare, ça va être... Lalalala. Quand on joue piano, ça va être ting, 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 vous voyez. Donc les sons sont distincts. Et si la trompette rend un son confus... Si la trompette rend un son confus... La trompette ici, là, on peut dire que c'est la parole. Si la parole crée un son confus, qui se préparera au combat? Non, dans la loi, c'est la trompette qui sonnait pour lancer un combat. C'est pourquoi les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, pour aller dans le tabernacle, dans la tente d'assignation, on devait sonner. Moïse donnait l'ordre et Aaron, tout le monde, on sonnait la trompette. Et quand tout le monde entend la trompette, là, les gens se rassemblent pour aller, pour faire le débat, pour le camp. Hors du camp, pour aller. Est-ce que vous comprenez? Alors, si la trompette rend son conflit, qui se préparera au combat? Alors, lorsque la parole n'est pas révélée, on nous disons qu'elle a un son confus. Mettez ça, le verset là. C'est quel verset? 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 7 à 9. Et voilà, mettez le verset 9. Le verset 9. 1 Corinthiens 14, verset. Et vous allez dire. Non. Papa, c'est pas parti, c'est plus mettre point d'abord. Voilà. C'est 9. Voilà. Si la parole qui est la trompette. Non, si la trompette qui est la parole. Donne un son confus. C'est-à-dire. Est caché. Sans être révélé. Qui se préparera pour le ciel? Vous comprenez? Donc, ne bégayons pas comme Moïse. Jésus aussi, quand il était sur terre, il a bégayé comme Moïse. Parce que Moïse a dit que Dieu suscitera un prophète comme lui. Donc, Jésus a fait aussi comme lui pour que la prophétie de Moïse soit accomplie. Mais depuis que le Saint-Esprit est descendu, que tout est accompli là, Jésus a dit que l'Esprit nous enseignera toute la vérité. Depuis ce moment, il n'y a plus de bégayement. Aaron, c'est Aaron qui opère maintenant. Quand on dit Aaron opère, c'est un sacrificateur. Nous sommes aussi des sacrificateurs. Donc, autant que l'Esprit, Aaron est le type du Saint-Esprit. Et que nous avons l'Esprit Saint, nous pouvons aussi avoir la révélation des choses qui étaient symboliques, cachées, paraboliques, codées, mystérieuses, qui étaient dans la lettre qui tue. Aujourd'hui, cette révélation donne la vie et la lumière. Car la Bible dit dans Jean 1 que la parole était la lumière, la vie et la lumière des hommes. Elle est encore aujourd'hui. Elle sera pour toujours. Excusez. Pour la trompette, c'est le verset 8. Ah, c'est le verset 8, ça c'est pas 9. Mais 8. Si la parole qui est la trompette donne un son confus, qui se préparera pour le ciel? C'est autrement dit, si la parole n'est pas interprétée, si la parole n'est pas interprétée, elle ne pourra pas donner la vie, quoi qu'elle vienne de la part de Dieu. Et c'est bon. Elle ne donnera pas la vie. Non, excuse-moi, on va trouver la place. Si la parole n'est pas interprétée,
interprété, mets ça en haut, interprété ici. Non, là en haut, mets ça en haut. Je vais t'expliquer là. Interprété, interprété. Virgule. Quoi qu'elle vienne de Dieu. C'est ça, non? Hein, j'ai dit quoi? Quoi qu'elle vienne de Dieu, elle ne pourra pas donner la vie. Ou bien elle ne donnera pas la vie. Donc ça, mon Dieu, ce n'est pas Dieu qui a l'erreur. C'est toi qui as fait l'erreur d'avoir mal interprété ou bien de te cacher et ne pas le révéler. C'est pourquoi tous les ministres, nous devons révéler, en ces derniers temps, nous devons révéler le Saint-Esprit présent. Et nous devons révéler tous les mystères cachés. Jésus, un somme dit, j'ouvrirai ma bouche et je proclamerai les bontés de ton nom. Je proclamerai ta bonne nouvelle. Quand Jésus est venu, Jésus a répété cette parole. Le jour, quand il a fini de parler contre les sages de ce monde, quand il a fini de parler de l'endurcissement des cœurs pour qu'ils ne puissent pas prier la gloire de l'évangile, la gloire de la parole, avant la croix, le jour où il parlait de ça, il dit que, il y a les paraboles, il dit quelque part, il est écrit, j'ouvrirai ma bouche et je parlerai en parabole. Je dirai des choses cachées depuis la fondation du monde. Il a dit, et c'est caché. Mais nous là, nous il a dit, il a dit, j'ouvrirai votre bouche et vous parlerez par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine. Vous interpréterez et vous dévoilerez les choses qui étaient en moi depuis la fondation du monde. Acclamez Jésus. Vous comprenez la différence? Voilà. Ça, c'est le ministère de l'Esprit. C'est bon? Faut tout mettre. Moi, je prends avec mon téléphone. Parce que mon téléphone est encore plus clair. Ok. Donc, nous sommes à la conclusion. Donc, je vous donne les quelques. Je vous fais la lecture seulement. Et on va clôturer. Gloire à Jésus. Ils ont encore fait. C'est marabout, vraiment. Recevez Jésus. Nous prêchons Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Mais ceux qui sont dans le commentaire ne peuvent pas être séduits. C'est des gens qui sont remplis de la parole. Donc acclamez le Seigneur pour leur vie. Je disais, ici, Moïse aussi est notre allé en mission vers Pharaon afin de défendre le peuple hébreu qui était en captivité en Égypte. Mais Moïse a fait savoir à Dieu qu'il est un homme qui n'a pas la parole facile parce que sa bouche et sa langue étaient embarrassées. Point. Moïse était quelqu'un qui bégayait assez. Donc pendant que Moïse parlait aux Égyptiens, il bégayait. Mais Aaron était celui qui expliquait ses paroles. Nous comprenons par là que pendant le bégayement de Moïse, Aaron trouvait sa force. Vous voyez? Pendant le bégaiement de Moïse, Aaron trouvait sa force, car il comprenait ses discours et les transmettait. C'est pourquoi même la loi donnée était le bégaiement de Moïse. J'ai dit ça. Car de la même manière que le bégaiement, donc des paroles qui sont confuses et moins claires, la loi de Moïse était codée. C'était une ombre, une figure, des images, des symboles, des paraboles qui n'étaient pas claires. Point. Le bégaiement de Moïse était la loi, était une trompette à son confus. Et comme c'était Aaron qui comprenait les paroles codées de Moïse pendant qu'il allait vers Pharaon, lorsque la loi était donnée, Aaron était souverain sacrificateur, car il avait une compréhension de l'œuvre sacerdotale au temps de la lignée lévitique. Malgré cela, toute la loi de Moïse était ombre, cause, bégaiement. Et cela ne permettait pas au sacerdoce lévitique d'être par
fait, ni clair, même malgré toute la participation d'Aaron. De même que Jésus-Christ est venu comme le dernier grand prophète, comme Moïse, il bégayait aussi. Pourquoi? Car il est venu comme Moïse. Deutéronome 18:18. Je lis moi-même. Je leur citerai du milieu de leurs frères un prophète comme moi. Qui parle ici? Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Jésus-Christ est ce dernier prophète suscité comme Moïse. Point. Comme il est venu comme Moïse, lui-même pendant qu'il était en chair, il bégayait aussi. Pas physiquement, mais par la parole, il cachait. Il y avait le mélange. Vous voyez? C'est déjà bien expliqué. Voilà. Il bégayait aussi. Jésus aussi bégayait dans la révélation. Voilà. C'est-à-dire qu'il parlait en parabole. Dans la connaissance, parlait en parabole. Disait des choses cachées à la foule. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus-Christ était comme Moïse dans son bégaiement. Selon la prophétie qui disait que Dieu suscitera un prophète comme Moïse. Donc Jésus bégayait aussi pendant ce temps où il était né jusqu'à la croix. Parce que l'ancienne alliance était encore d'actualité. Alléluia. Et il expliquait ses paroles cachées à ses disciples. Donc il bégait devant la foule en Israël et explique à ses disciples en privé. Alors il est comme lui-même Jésus, il est comme Moïse et Aaron. Or Moïse bégayait seulement devant Pharaon, sans expliquer expressément ce qu'il disait. Mais Aaron expliquait. Jésus-Christ est venu comme Moïse, un prophète. Mais étant Aaron, nous disons par là qu'il est venu comme souverain sacrificateur. Car Aaron aussi était souverain sacrificateur. Donc Aaron est le type de Jésus en tant que souverain sacrificateur. Et Moïse était le type de Jésus en tant que prophète. C'est pourquoi la Bible dit que la loi est donnée par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Parce qu'il y a deux médiateurs. Le médiateur de l'ancienne alliance, c'est Moïse. Et le médiateur de la nouvelle alliance, c'est Jésus. Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais Aaron est souverain sacrificateur selon l'ordre lévitique. C'est lui-même Aaron, dont l'ordre a été établi d'une manière lévitique. Mais Aaron, nous disons, comme Aaron est souverain sacrificateur, sans être dans la foi, mais dans la loi, il est le type, pas la préfiguration totale, mais le type ou le représentant de sa vie qui annonçait d'avance l'ombre de Jésus-Christ, qui est le meilleur souverain sacrificateur par excellence, lui qui révélera par l'esprit les choses cachées depuis les temps anciens. Gloire à Jésus. Alors, en cachant ces vérités en parabole aux Écritures, comme le bégaiement de Moïse, il les explique à ses disciples, comme Aaron le faisait. Seulement ceux à qui il expliquait ont reçu une grâce de comprendre les mystères du royaume et les expliquer à d'autres. Voilà. Non, ils n'avaient pas compris. Ceux à qui Jésus expliquait les choses, ils ne pouvaient pas comprendre. C'est ce que je voulais dire. Ils ne pouvaient pas comprendre. Voilà. Mais pouvaient répandre la bonne nouvelle que Jésus disait. Mais sans comprendre tout le détail. Parce que l'esprit n'était pas donné. Gloire à Jésus. Donc l'Esprit Saint devait venir au temps de Jésus parce que Jésus ne parlait pas parabole. L'Esprit Saint allait venir pour révéler ce que Jésus cachait. Alors, nous disons quelque chose. Seulement à ceux qui l'expliquaient ont reçu une grâce de comprendre les mystères du royaume, les expliquer à d'autres lorsque le Saint-Esprit était descendu sur toute chair. Il a fait de nous des disciples, des sacrificateurs qui comprennent toutes les profondeurs du sacerdoce royal et non lévitique. Qu'il a instauré. Il a instauré le sacerdoce royal. C'est un sacerdoce spirituel. Lévitique était charnel. Donc tout était charnel, terre à terre. Or tout est maintenant céleste, spirituel. Ciel, poussière. Lui-même étant un souverain sacrificateur, pouvant expliquer en détail les paroles qu'il donnait. Donc, Moïse devait attendre Aaron. Travailler avec Aaron. Les deux étaient ensemble. Le prophète était sacrificateur. Mais Jésus, lui, il est en même temps prophète et sacrificateur. Donc, lui bégayait par la, en tant que Moïse dans la loi, mais expliquait comme Aaron à ses disciples. Mais les disciples ne comprenaient pas totalement parce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu sur eux. Je continue.
Nous aussi qui sommes ici, il nous a donné de comprendre les mystères du royaume. Et c'est ce niveau que les apôtres, c'est à ce niveau que les apôtres ont eu la révélation de cette parole. Gloire à Jésus. Dis à haute voix, c'est à moi qu'il a été donné de comprendre les mystères du royaume. C'est à moi qu'il a été donné de comprendre les mystères du royaume. C'est à moi qu'il a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. C'est à moi qu'il a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Gloire à Jésus. Tous ceux qui étaient sous la loi étaient tous aveuglés par Dieu lui-même. Point temps. Avec au temps de la réformation, même quand Jésus était sur terre, il devait être aveuglé. Aveuglé à la croix, lors de la réformation, les yeux de ceux qui obéissent à l'évangile soient ouverts pendant le début du temps de la grâce jusqu'à la fin par le moyen du Saint-Esprit. Car depuis la chute de l'homme jusqu'au temps du salut, la vérité était toujours cachée. La révélation était comme un livre caché, scellé à cause du péché. C'est-à-dire l'âme de vie était cachée aux hommes pendant ces temps et toute la loi de Moïse n'était pas révélée. Ni même les prophètes, ni les sceaux n'étaient pas compris. Ne pouvaient pas être dévoilés ni révélés aux hommes car ces vérités étaient cachées. Jésus lui-même est la vérité. C'est ça. Mais Jésus a voulu que l'Esprit lui-même vienne éclairer afin que l'œuvre qu'il est venu faire soit accomplie d'abord avant l'Esprit, que l'Esprit prenne son contrôle. Dans la loi, les prophètes et les sceaux, c'est-à-dire les trois corps, l'homme selon la doctrine, il était caché Christ jusqu'à sa venue au temps du salut. Même pendant ce temps, Christ parlait en parabole. J'ai déjà expliqué. Car même pendant le temps du salut, Jésus était sur terre, la loi était toujours d'actualité. Or, au temps de la loi d'Israël, Israël était toujours sous l'autorité de la tribu de Lévi qui exerçait toujours le sacerdoce. Même si Christ parlait ouvertement des choses du royaume, sans passer par les paraboles, une partie d'Israël demeurera aveugle et muette par rapport à tout ce qu'il disait. Mais nous devons connaître les raisons pour lesquelles le Seigneur parlait en parabole aux hommes lors de la première vue. C'est ce que l'Écriture explique à ces termes. Simeon les bénit et dit à Marie, et Luc 2, 34. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et devenir un signe de contradiction. J'ai expliqué les deux, c'est l'épée à double tranchant. Donc voilà en quelque sorte. Lisez-moi, on va lire le dernier verset et continuer la première partie. Jean 14. Vous avez compris maintenant le bégaiement de Moïse. Vous avez compris les messages paraboliques et le bégaiement de Moïse. Donc nous on arrive à le Saint-Esprit. Donc on peut comprendre facilement. On peut enseigner, expliquer, méditer, comprendre. Acclamons Jésus. Alléluia. Hein? Jean 14. Verset. Je viens. Non. Allons dans le verset 16. Et dans Jean 14. Jean 16. Voilà, lisez le verset. Jean 16, verset 25. Jean 16, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. C'est clair. Mais où je vous parlerai ouvertement. Donc aujourd'hui, nous ne parlons plus en parabole. Mais nous parlons ouvertement. Ouvertement, c'est spirituellement. Parce que le Père Esprit. Or, Jésus a parlé d'une manière terrestre. Or, le Père n'est pas terrestre, est céleste. Donc, quand Jésus lui dit qu'il parlera ouvertement, là, c'est, qu'on parlera ouvertement, ce n'est pas un langage terrestre, terre à terre. C'est un langage céleste, spirituel. Parce que le Père n'est pas terrestre, mais le Père est céleste. Et nous aussi, dans 1 Corinthiens 15, il dit que nous ne sommes pas des êtres terrestres, mais des êtres célestes. Gloire à Jésus. Je veux un autre verset dans 1 Corinthiens, dans Jean 16. Voilà. 13. Jean 16, 13. Je dis au nom de Jésus. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc l'Esprit dira, vous continuera dans toute la vérité.
Alors quand on lit ça, on dit, mais Jésus n'avait pas dit la vérité. Mais il est la vérité, non? Oui, j'ai expliqué que la vérité était là. L'ivraie aussi était là. La foi était là, là. Le blé. L'ivraie aussi était là. L'ivraie est la loi. La foi est le blé. Les deux luttaient ensemble. Et quelqu'un dit, mais arrachons l'ivraie. Non, laissez les deux croire ensemble. À la croix, là, je vais détruire l'ivraie dans la chair. La chair sera détruite pour que l'esprit soit et monte au ciel. C'est ça. Pour que le blé soit sauvé. Aujourd'hui, nous sommes les blés. Dis-je, nous sommes les blés. Nous sommes dans les greniers du ciel. Et nous sommes appelés à aussi communiquer le blé, à aussi semer des blés. Nous sommes les fils de la parole. Nous sommes appelés à faire d'autres des disciples par la parole. Aujourd'hui, rien n'est plus caché. Nous sommes appelés à dire toute la vérité, ouvertement la vérité par le Saint-Esprit. C'est ça le ministère de la parole. Acclame Jésus-Christ dans son esprit. Donc nous sommes à la fin de la première partie de l'enseignement du jour. Qui est édifié aujourd'hui? Waouh! Lève la main. Acclame Jésus. Lève-toi, lève-toi. Bénis le Seigneur. Ah bon, papa veut parler. Papa veut parler. Dans le micro, papa. Papa, aujourd'hui, papa est tellement édifié. Et papa, même papa va parler par révélation. Hier, qui était là? Papa parlait par révélation hier. Et aujourd'hui, papa veut entrer dans la parole. Oui. Aujourd'hui, j'ai compris que, sincèrement, le Seigneur aussi luttait avec un livret, luttait avec Satan. Et pour pouvoir lui donner la révélation. Parce qu'il y a plusieurs choses que le Seigneur a pu faire pour pouvoir nous libérer. La première chose que j'ai compris, c'est que lorsque il a dit à Moïse, ou bien qu'il était le rocher, il a demandé à Moïse. Quand le peuple d'Israël tapait et voilà, criait pour demander de l'eau, il a demandé à Moïse d'aller taper le rocher. Mais Moïse a désobéi, mais sa désobéissance n'est pas fortuite. C'est le malin qui le gênait comme ça. À telle enseigne que Moïse a topé durement le rocher. Ce que Moïse a fait, il a tapé le Christ. Alléluia. Amen. Papa a eu la révélation. Oui. Il a tapé le Christ. Parce que la loi produit la colère. Oui. Donc la loi, c'est l'image de ce qui s'est passé à la croix. C'est ça. Moïse est hébreu, non? Ah, le peuple hébreu est israélite. Donc Moïse qui tape. Qui frappe deux fois. C'est deux fois. Hein. Quand il fait deux fois, on dit c'est rejeté Christ. La première fois, ce n'est pas la loi qu'il a donnée, qui a renversé la foi qui existait lorsque Melchizedek avait rencontré Abraham. Or, Abraham est le père de la foi. Abraham existait et opérait par la foi. Moïse tape le rocher deux fois. La première fois, c'est lorsque la loi a renversé la foi et est venue à Israël. C'est là l'ennemi a semé l'ivraie. Or, l'homme de la maison, c'est Abraham. L'ennemi, c'est Moïse. Est-ce que vous voyez? Alors, la deuxième fois, quand on dit taper deux fois, c'est un langage de révélation. La deuxième fois, c'est à la croix. Parce que la loi a précipité Jésus jusqu'à la croix. Et c'est ceux qui pratiquaient la loi qui ont frappé Jésus à la croix. Donc, nous disons par là que Moïse a encore frapper Jésus la deuxième fois au temps où Jésus était venu physiquement. L'autre, c'était pas Abraham et la rencontre de Melchizedek. C'est pour cela que acclame Jésus. Dieu lui a dit qu'il ne verra plus. Papa, la révélation. Déjà, papa est blindé maintenant. Continue, papa. Dieu a dit que Moïse vraiment va désobéir. Et Moïse doit connaître que c'est Dieu, Jésus qui est le rocher. Amen. Et il a frappé deux fois. Donc il a puni qu'il ne verra pas le Cana. Mm. Que pour cela, il va le retenir. Mm. Et c'est là où Moïse a été retenu pour ne pas voir le Cana. Et c'est deux personnes
qui ont pu voir Anna. Oui, Josué Caleb. Avec tous les autres. Donc ça, cela veut dire que aujourd'hui, lorsque Jésus allait à la croix, Jésus a eu compassion. Moïse a été retiré de ce lieu de jour. Et aujourd'hui, il est dans le lieu de repos. Parce qu'il y a eu Michael ont disputé. Michael et César ont disputé le corps de Moïse. Et Moïse, avec tous les autres patriarches, sont aujourd'hui dans le lieu de repos et attendent le mort de Christ. Où est la compassion de Dieu? Acclame Jésus. Donc, voilà que la gloire soit due à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimés.